Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand H. Content de vous retrouver pour cette magnifique journée hein, du mercredi 3 novembre. Une journée plutôt particulière, bon, enfin vous le savez, parce que la météo était un petit peu crispée, n'est-ce pas, ce matin. Il y a des personnes qui se sont roulées dans la couette, mais bon, enfin on espère que cette journée était donc à la hauteur de vos attentes et de vos espérances. Si ça n'a pas été le cas, on tentera jusqu'à 19h de vous offrir tout ce qu'il faut retenir de la télé. Le meilleur de la télé, c'est ici et nulle part ailleurs, avec des chroniqueurs et chroniqueuses triés sur le volet, sélectionnés rien que pour vous, pour parler de questions d'actualité, mais surtout aussi d'entertainment. Et bien parce qu'aujourd'hui, on aura la belle chance, n'est-ce pas, d'avoir dans le cadre de cette production de belles personnes. J'ai bel et bien signé Ozira Mebounou, et bien qui est donc une très belle personne, CEO de l'entreprise Chouquette, qui sera donc avec nous ce soir. Elle ne sera pas seule, elle sera également aux côtés de Laetitia Semba, qui est donc également CEO de la fondation Laetitia Semba. Elle viendra donc sur ce plateau nous parler de cette magnifique structure. On aura également l'occasion d'évoquer dans le cadre du débrief l'état des routes et les avancements. Et bien évidemment de ces Camerounais chassés du côté de la Guinée équatoriale. Et sans doute on reviendra également sur ces décès du choléra pour terminer sur l'interpellation de deux élèves pour consommation de stupéfiant. Un programme taillé à la hauteur de vos attentes et vos espérances. Installez-vous confortablement. La première sonorité musicale est donc livrée. Bienvenue. Au garde de vous, portez armes. Waïaï, c'est Nyangono, le lion du sud. Fina, finada, fina, oh, finada. Tina, tinana, attention. Tina, oh, tinana, attention. Moi j'ai trop de problèmes, attention. Oh, j'ai vraiment trop de problèmes, attention. Mes amis m'ont trompé, attention. Vivre heureux et mourir jeune, attention. On m'a dit de vendre ma mère, attention. De marché ni au marché, il faut dormir au cimetière. Fais cimetière Ngousso. On me donne 1 million chaque jour de manger dans mon ventre. Ah, comment? Waïaï! Ma tête chaud. Tigna, tigna, tigna. Ma tête chaud. Tigna, oh, tigna, tigna. Ma tête chaud. Tigna, tigna, tigna. Ma tête chaud. Tigna, oh, tigna, tigna. Ma tête chaud. Mais nyango ni tas. Mais nyango ni tos. Évitez d'avoir les longs yeux. Non. La facilité, non. Escroquerie, porte-monnaie magique, non. Les raccourcis, non. Envier les gens, non. Les malhonnêtes, non. La vie compliquée, ma tête chauffe. Tina, 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 ma tête chauffe. Que passa? Caramba, carambitas. Tabaha. Caliente. Baila. Ma tête chauffe. Ma
le boss. Il n'y a pas de client, la tête chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Tu fais le danse, ça brûle tes orteils. Ta tête chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Chez le travailleur, le salaire ne passe pas. La tête chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. J'attends ma femme en pleine action. Ma tête chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Après le mariage, elle me demande le divorce. Ma tête chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Roberto, sente, enceinte. Il s'appelle Nyangono du Sud, qui malheureusement n'a pas remporté les Canals d'Or, quand on sait que ce dernier avait promis sur ce plateau eh bien, qu'il devait offrir 1 million de francs CFA à ses fans s'il réussissait donc à décrocher le précieux César. Malheureusement, la chance n'était pas avec lui pour ce coup. Peut-être l'année prochaine ou bien dans 2 ans, je crois bien. Rendez-vous dans 2 ans pour Nyangono du Sud, à qui nous passons le bonsoir. Le Grand H s'est donc lancé. On va donc retrouver dans quelques minutes le débrief. Le temps encore, n'est-ce pas, de souligner à toutes ces personnes qui nous suivent religieusement sur Facebook. Je le disais tantôt, la Liki est fortement représentée, n'est-ce pas, sur le Facebook, sur le direct Facebook. Bonjour à vous. On espère également que vous vous portez bien de ce côté-là. Transition pour aller chercher le débrief. Et ça fait donc plaisir de se retrouver sur cette antenne avec nos chroniqueuses. Lise Davinangili, bonsoir. Bonsoir David Kevin, bonsoir à tous nos téléspectateurs, à nos web téléspectateurs, bonsoir. Alors, comment était le réveil? C'est vrai que bon, enfin, il est 17h, déjà passé de quelques minutes. C'était comment le réveil pour cette journée? Oh, je me suis très bien réveillée, comme tous les jours, ça va. Il n'y a rien de particulier Non, la routine. Réveil bonheur. C'est vrai qu'en off, vous ne m'avez pas dit la même chose. Heureusement que c'était un off. C'était un off. Merci Lise d'être là encore ce soir. Marina Kovina, vous avez du violet. C'est une couleur très gaie. Bonsoir. Bonsoir David Kevin. Alors, comment s'est passée pratiquement la journée chez vous? Assez bien, malgré le temps qui était un peu morose et qui m'a un peu déplu. Voilà. Ça rend... J'aime pas trop. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui sont souvent tristes lorsque le temps n'est pas... Je ne dirais pas triste, mais ouais. Pas du tout à l'aise avec ce temps. Pas du tout à l'aise. Pas du tout. En tout cas, on espère que le soleil qui est donc de retour vous apaise un peu plus ce soir. En tout cas, c'est notre plus grand espoir. Alors, on va donc commencer le débrief en parlant de choses sérieuses, bien évidemment. Et ce sera avec vous, très chère Lise Davinangili. On va s'intéresser ce soir à l'état des routes et surtout l'avancement. On le sait, bientôt, ce sera donc la CAN. Il faudrait avoir des infrastructures bien équipées pour permettre, n'est-ce pas, à ces personnes qui sont de Cameroun de pouvoir se déplacer, se mouvoir facilement. Et vous avez regardé, vous avez jeté un coup d'œil sur l'état de nos routes. Lise, que peut-on retenir?
David Kevin, on va partir d'un fait. Les populations de Toafé par Kekem, dans l'ouest du pays, protestent contre l'abandon du chantier d'un pont qui aurait causé la mort d'un des leurs. Depuis le 29 octobre dernier, pas moyen de rallier la région de l'ouest ou d'en sortir en passant par Kekem. Les populations de ce côté ont obstrué le lieu à l'aide de gros arbres coupés dans les environs, obligeant ainsi les véhicules à contourner par Chang ou Sonchu pour atteindre leur destination. La cause de cette colère, la noyade d'un enfant dans la nuit du 29 octobre dernier. Il serait tombé du morceau de bois qui fait office de pont depuis que les travaux de l'infrastructure entamés il y a 3 ans aient été arrêtés, obligeant les populations de Toafé à prendre les risques pour circuler au-dessus des eaux. L'on se souvient qu'en 2018, les travaux de ce pont avaient été entamés pour une durée de 7 mois. 4 ans plus tard, le chantier n'a toujours pas été livré et à ce jour, les populations font un bilan de 6 morts de noyade. La coupure de la route est un fait qui se voit de plus en plus ces jours. En septembre dernier, les mouvements d'humeur pareils ont été observés à Konyambeta, dans la région du Sud, où les militants politiques avaient barré la voie pour protester contre les actions de certains de leurs camarades de parti. Également à Ngoko 1 et 2 dans la région du Sud où les populations protestent contre le mauvais état des routes et l'absence d'électricité. David Keva. Le mauvais état des routes, un sujet donc qui nous intéresse ce soir. C'est donc un sujet qui revient très fréquemment, Marina Kovina. On se rappelle donc durant le renouvellement des organes de base du RDPC, il y a eu du côté de Kribi, n'est-ce pas, si je me trompe, et des mouvements d'humeur, des revendications concernant l'état des routes. Cela revient encore et encore. Et on peut bien s'interroger finalement, est-ce que le sujet ne préoccupe pas assez? Qu'est-ce qui se dit concrètement? Est-ce que les infrastructures routières manquent encore cruellement au Cameroun? Effectivement, David Kevin, c'est un fait. C'est un fait, on a ce véritable problème d'infrastructures routières qui sont soit dégradées, qui sont non achevées, voilà, ou alors quasi inexistantes. Il faudrait tout simplement dire qu'il est temps que le Camerounais aime son pays. Oui. Voilà. Parce que figurez-vous qu'il y a certains fonds qui ont été débloqués pour la réhabilitation de certains tronçons ou encore même la construction de certaines routes qui ont été complètement dérobées par ces personnes-là qui avaient cette responsabilité-là. C'est un problème vu que le Cameroun, comme vous l'avez dit, abrite la CAN dans quelques jours, dans quelques semaines. Oui. Et le problème de route est sérieux. Lorsqu'on est à 17h, on est rendu à 17h, à 16h, on a des bouchons qui sont là au niveau du centre-ville. C'est compliqué si jamais on a une équipe comme les Lions Indomptables qui devront, par exemple, jouer du côté d'Olembe. Vous voyez tous les axes qu'il faut traverser avant d'arriver à Olembe. Tous ces bouchons-là, ce qui va faire en sorte que les populations, alors les fans qui voudraient bien vivre en direct ces multiples rencontres ne pourraient pas arriver à temps. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes ont demandé au pouvoir public de réhabiliter ces petites voies de quartier qui mènent aussi du côté d'Olembe, rassurez-vous, du côté en empruntant la route, en empruntant ou alors en empruntant la voie de l'axe lourd du Palais Emana. Ce n'est pas la seule route qui peut nous mener du côté d'Olembe. On a d'autres axes qui peuvent que vous pouvez emprunter pour vous rendre du côté d'Olembe. Mais ces axes-là ne sont pas construits, sont faits de manière fortuite, sont dégradés pour la plupart, ce qui fait en sorte que véritablement on aura un problème lors de cette CAN-ci. Et ces axes routiers-là ne sont pas réalités. Vous vous rappelez qu'à présent, on a toujours ces populations de Colmessin qui se plaignent de la route de ce côté-là. Jusqu'à présent, les travaux sont aux arrêts et on ne sait véritablement pas ce qui cloche à ce niveau-là. On ne sait pas ce qui fait en sorte que les travaux n'évoluent pas de ce côté. C'est une route parmi tant d'autres
pas simplement au centre, même dans d'autres régions. La ville de Douala est aujourd'hui cataloguée comme ville où les motos sont plus nombreuses que les voitures, justement à cause de ce problème de route. Donc les problèmes d'infrastructures sportives, c'est d'infrastructures routières, autant pour moi, c'est un problème qu'on doit régler, pas simplement à cause de la Coupe d'Afrique des Nations, mais pour l'image même du Cameroun. Alors, je propose qu'on essaye de regarder cet élément qui nous vient tout droit de Colmessin. C'est donc une illustration comme cela qu'on peut retrouver dans la ville de Yaoundé. On rappelle qu'il y a énormément de quartiers qui sont donc très enclavés. On va regarder cet élément et puis on revient juste derrière pour commenter et nous appesantir sur le débrief de Lise Davinangili. Cette route donne les maladies beaucoup aux gens. Il y a la poussière, c'est l'isbo. Ils ne nourrissent qu'une envie au quartier Colmessin, c'est que les médias montrent leur désarroi. Car sous d'autres cieux, quand la télé le fait, les choses changent. Personne ne vient ici parce qu'il y a la poussière. Tout vient seulement, c'est comme ça que les routes sont comme vous voyez là, jusqu'après les chefs. Pour gâter les voitures de sang. Quand tu montes sur la moto, tu ne parviens pas à t'asseoir sur la moto. Ça peut te faire renverser. Si on peut nous arranger la route, souvent c'est bizarre. La poussière. Nous sommes là seulement parce que nous manquons là où aller. On va faire comment? Et si le DAP peut avoir la solution de régler les problèmes des citoyens de Colmessin? Le temps d'une journée, notre caméra s'est faite porte-étendard des visages de l'ombre qui deviennent peu à peu célèbres depuis la vulgarisation il y a quelques jours du fameux hashtag Goudronin Colmessin. Sapé comme jamais dans une école où il apprend la com, l'auteur du post le plus partagé au Cameroun nous parle de ses motivations. C'est rare de voir dans des grandes agglomérations des secteurs abandonné comme ça. En fait, dès l'entrée de Colmessin, on est d'emblée frappé par la couleur de la poussière, des dépôts de poussière un peu partout. Des comptoirs de commerce se sont abandonnés parce qu'il y a de la poussière à outrance, on dirait un désert. Et quand on entre plus au fond, on se rend bien compte que même l'état de la route est vraiment laisse à désirer. Colmessin, le petit village des années 90, est pourtant devenu l'une des agglomérations les plus importantes de Yaoundé. Seulement, le développement du coin veut miraculeusement se faire sans route. La poussière, même la nourriture, sûrement la poussière, en pleine capitale. Autre misère en pleine capitale camerounaise, le marché Essos. Depuis plusieurs mois déjà, la route est coupée par ici, et un vaste marécage y établit progressivement ses quartiers. Nous, on va pêcher les poissons là-bas. On va nourrir nos familles avec les aises comme ça. Gravier sur le terrain et engin en activité, l'on se croirait en plein dans un chantier qui bouge. Rassurez-vous, la ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Kötia-Courtès, vient juste de passer dans les lieux. Les riverains espèrent qu'elle reviendra si souvent pour faire la police. Il y a environ 7 mois que les chantiers de cette route ont vraiment commencé. Et nous avons cru que c'est déjà un comme les chantiers de Paris. Nous avions été surpris que 3 mois après, tout a été arrêté tout d'un coup. Hier dimanche, le ministre de l'Urbanisme de l'Habitat était là. Elle a donné des consignes. Vous voyez, les travaux font semblant de reprendre là. Puisque c'est la formule qui semble marcher au 237, apportons de notre pierre à la construction de la patrie. Certains ont dit « goudronin Colmessin ». Merci donc à Jean-Marie Kinfak pour ce reportage qui mettait donc un accent sur le quartier Colmessin. C'est donc un quartier de la ville de Yaoundé où on peut donc remarquer que l'état des routes a continué véritablement de ne pas honorer du moins ce très célèbre quartier de la ville de Yaoundé. On va donc sans doute retourner pour souhaiter déjà bienvenue à Steve Anisendo qui, comme vous le savez aujourd'hui, attire des regards. Steve, bonsoir.
bonsoir. Je ne sais pas. Peut-être il faut dire pourquoi j'attire les regards. Et les regards de qui aussi? Il y en a beaucoup donc, sur ce plateau qui sont en admiration, Steve, au vu peut-être tu vas mettre les gens dans des les artifices. Problèmes. Je t'assure, je suis d'accord. Tu vas mettre les gens dans les problèmes. Dans de très gros problèmes. Je ne saurais le faire, Steve. Hein. Il faut remettre à César ce qui est et à César. Et à Steve Vanissendo ce qui est Steve Vanissendo. En tout cas, bonsoir à tous. Merci, Steve. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir, et effectivement. Alors, on avait déjà planté le décor concernant la question des routes, le problème, hein, l'énorme problématique n'est-ce pas, l'état des routes qui, ma foi, continue d'inquiéter un tout petit peu à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui se passe exactement? On nous avait promis du moins des axes bien aménagés et on se rend compte qu'il y a encore des axes qui ne sont pas très reluisants. Alors, puisque nous attendons la CAN et que on parle souvent de l'équipe de football du Cameroun, moi je me dis que peut-être les travaux du pays aussi, ils aiment quand ils sont dos au mur, c'est ce qu'ils disent souvent, que c'est les lions rugissent quand ils sont dos au mur. Je ne sais pas si c'est la même chose avec les lions des mairies et du ministère des Travaux publics. Dans tous les cas, ce qui se dégage, au premier abord, c'est que en dehors des axes principaux, les axes secondaires et même certains axes même connus sont totalement oubliés. Si vous n'avez qu'encore une fois, je ne dis que ce qui est visible de tous, tu vois, ça veut dire que vous pouvez faire des tours. Dans la ville de Yaoundé, vous pouvez aller entre Ekounou, Transon, Ekounou, Nkomo, c'est toute une autre histoire. Si vous essayez de prendre un Colmain 5 même, nous on oublie le sujet là parce que c'est très compliqué de ce côté-là. La dernière fois, les gens d'un Colmain 5 jubilaient, nous autres on disait que nous sommes un peu Thomas. C'est quand on verra qu'on croira. Quand vous prenez par exemple Biteng, du moins Soumangué pour Essumba, il y a ce que moi j'appelle des cratères parce que ce n'est plus des nids de poules. C'est un peu gênant que nous soyons à quelques jours, à quelques mois, je crois à deux mois, si je me trompe, Marina peut me ramener à la raison. Nous sommes à deux mois de la CAN et on ne voit aucune effervescence dans ce sens-là. Faites même dans la nuit, faites même comme vous faites souvent, qu'en journée, dans la nuit, mais on voit quand même. Mais là, rien du tout. Rien du tout. Les mêmes endroits qui ont les mêmes problèmes, c'est toujours pareil, il n'y a aucun changement. C'est ça qui, moi, me gêne souvent. Bon, après, on va dire je suis pessimiste, mais honnêtement, quand on regarde la vitesse à laquelle on exécute les travaux, on est tenté de s'inquiéter quand même. On est tenté de s'inquiéter. Vous affirmiez également qu'il y a, n'est-ce pas, des actualités pas très reluisantes à cause effectivement de cet état des routes. Qu'est-ce que cela vous évoque finalement? Est-ce que il y a comme, du moins, un frein volontaire ou les raisons peuvent être autre part? Clairement, il y a un frein volontaire parce que les routes, elles sont dessinées, on suppose, hein. Elles sont dessinées. Et après, il y a des travaux. Un temps, vous allez voir des gens, vous allez voir des camions, des caterpillars au quartier. Ils vont tracer les routes, ils vont rembler les terres. Et puis, paf, un jour, il n'y a plus. Il pleut, le lendemain, la route se fissure en deux. Et c'est nous, les habitants des quartiers, qui sommes obligés de chercher comment on va marcher. Parce que si un véhicule vient vous trouver, et que, comme ce n'est qu'une piste, si un véhicule, il faut que vous entrez en brousse, ou bref, c'est quand même difficile. Et on en parle, mais ça fait mal. Chaque jour, ça fait vraiment mal. On parle à l'ouest de Noyade. Ici, chez nous, on parle d'accident parce que ce matin, il a plu. Ceux qui habitent dans les quartiers difficiles, pour arriver au Goudron, comme on le dit communément, il faut débourser une grosse somme. Et pourtant, si on avait fini la route, on aurait même pu partir à pied, marcher pour arriver tranquillement. Il y a même un exemple, Lise. Ça veut dire que l'entrée, que l'aéroport de Simalène, l'entrée même, c'est quand même compliqué. Ça veut dire que vous, des gens qui entrent au Cameroun, la première image qu'ils vont trouver, j'espère qu'ils ne vont pas la trouver, mais jusqu'à présent, l'image première
qu'il y a du côté d'un Simalène, c'est les chantiers. Je ne sais pas s'ils trouvent ça sérieux. Donc, je ne sais pas si... Parce que l'aéroport, c'est quand même la porte d'entrée du pays. Dans un pays. La Absolument. Première des choses que les gens verront en Simalène, c'est des trucs qui sont posés en route à tort et à travers. Donc, quelque part, essayons d'être un peu plus consciencieux. C'est un événement... Habituellement, vous pouvez faire des choses quand vous êtes chez vous, entre vous. Mais quand vous recevez des étrangers, le jour-là, faites un effort de garder la maison propre. Oui. C'est la chose la plus simple. Et vous n'allez pas diriger tous les étrangers vers des endroits que vous voulez. Parce que les moments de fête sont incontrôlables. Vous pouvez par exemple dire aux gens, vous vivrez au Dioga Palace, vous vivrez un machin, mais je vous rappelle que il y a des gens qui ont des amis à l'étranger. Bien sûr. Qui vont les recevoir au Cameroun. Ça veut dire qu'un gars a un ami, peut-être, je ne sais pas moi, au Gabon, en Égypte. L'un de ses amis égyptiens va arriver au Cameroun, mais il va l'amener en Vogada. Vous allez faire comment pour qu'il n'aille pas en Vogada? Et il verra. Il touchera les bas fonds. Donc, si vous voulez les garder au Hilton, ils ne vont pas seulement rester au Hilton. Ils ont des amis ici. Donc, ils vont aller en Vogada. Ils vont aller en Guissa. Ils vont aller à Lokpom, ils vont aller à PK, machin. Donc, sachez qu'ils iront manger du poisson braisé là-bas. Et ils verront si les routes-là sont bien faites ou si elles ne le sont pas. Alors, en tout cas, la problématique concernant l'état des routes continue toujours, n'est-ce pas, d'inquiéter et d'alarmer au vu, effectivement, des enjeux que le Cameroun, n'est-ce pas, doit abriter, au vu, effectivement, de la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive donc dans quelques semaines. On s'interroge, est-ce que le compte à rebours est lancé? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Just wait and see. Il y a un proverbe dit, eh bien qu'impossible n'est pas Camerounais. On va s'intéresser... Ce sont les proverbes qui nous arrangent. C'est même ça qui nous pousse souvent à la paresse. Le proverbe, là, on est fort quand on est dos au mur. Impossible n'est pas camerounais. Si vous faites avant, vous allez mourir. Pourquoi il faut toujours la pression? Un peu de suspense. De quoi? Pareil que... Quand vous faites ça tardivement, ce sont les mêmes routes-là qui se fissurent plus tard. Donc, il y a comme un sentiment de l'effet bâclé. Tu peux faire quoi de sérieux avec la pression? En tout cas, la question est bien posée, Steve Anicedo. On fait beaucoup de choses avec la pression. Vous trouvez, Marina? Il y a certains qui se concentrent avec la pression. Oui, oui. Ah, vous trouvez? C'est les vrais Camerounais. Mais on s'interroge tout de même, parce que s'il faille installer du goudron, et ça prend un certain temps pour, n'est-ce pas, ça raffermir, avec un peu de pression, on a comme l'impression que le goudron ne pourra pas être assez ferme pour profiter une fois que la canne sera terminée. Marina Kovina, finalement, la pression, est-ce que dans ce cas précis, elle est nécessaire ou elle est justifiée? Elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Mais pourquoi, selon vous? Elle est nécessaire. Il faut bien un peu de pression pour que les uns et les autres sentent l'importance de bien faire les choses. Oui. Voilà. Mais il y a pression et précipitation finalement, parce qu'à la fin, on n'a peut-être pas eu le temps de bien préparer les choses. Non, David Kevin. Avec la pression, comme Lise l'a dit, on peut faire quelque chose de bien. Pression de dernière minute, je précise. Bon. Moi, je vais vous donner un exemple. Steve, on a dit impossible n'est pas Camerounais. À Ebolova, on a fait des travaux à la va-vite. Lors du comice agro-pastoral. Oui. C'était vraiment speed. C'était nuit et jour. À se demander s'il n'était pas au courant que le comice devrait se tenir là-bas un jour. Quelques temps après, les feux ont d'abord lâché. Oui. C'est-à-dire que les feux de signalisation, feux rouges, feux machin, ça a lâché. Les lampadaires ont lâché. Le goudron fictif qu'on avait a commencé à se fissurer. Ça a duré combien de temps? Je sais pas. Une estimation. Les feux n'ont même pas attendu 2 mois. Ce point. Mais il y a des gens qui nous regardent, qui sont des bolos, ils peuvent écrire. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire sous la précipitation, la pression n'est pas mauvaise. Faut qu'on soit... C'est sous la pression qu'on a fait le bac, qu'on a fait le CEP, qu'on a fait nos soutenances, qu'on a... D'accord? La pression en elle-même n'est pas mauvaise. C'est la précipitation, là. S'ils font les routes, là, avant, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, ma question. J'aimerais bien savoir. On ne dirait plus impossible n'est pas camerounais. Le dicton pourrait changer. Voilà. Ça, c'est les gens qui aiment les problèmes. En tout cas, on va parler de toute autre chose. Ce soir, n'est-ce pas, on va s'intéresser aujourd'hui à ces Camerounais, n'est-ce pas, qui résident du côté
côté de la Guinée équatoriale. Alors c'est pour elle que certains Camerounais qui résident de ce côté-là sont retrouvés chassés. Ce n'est pas la première fois qu'on entend cela, très cher Stéphane Sendo. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi encore ce scénario? Alors, ça fait, en dépit du fait que ce soit douloureux, c'est un peu risible. Parce que c'est une énième fois que les Équato-Guinéens montrent leur acte, leur comportement de xénophobe. Bien dire ça comme ça. Ce n'est pas un avis. Quand on déteste les étrangers, c'est qu'on est tout simplement xénophobe. Maintenant, ce qu'il faudrait rappeler, c'est que ce n'est pas que ciblé, ce n'est pas que les Camerounais qui ont été chassés, expulsés, merci, c'est le terme exact. Ce n'est pas que les Camerounais, ce sont tous les Africains qui sont dans les différents marchés équato-guinéens. Du moins, les équato-guinéens estiment qu'ils n'ont plus de place pour commercialiser leurs produits, pour vendre. Donc, ils estiment que les Camerounais et les autres étrangers qui sont dans ces marchés-là ou qui commercialisent leurs différents produits profitent du qui est censé être le leur. Mais comment ça? C'est un peu difficile à comprendre. C'est comme ça. On ne comprend rien à ces affaires-là. Donc, interroger certaines personnes disent que les... ceux qui vivent là-bas avec eux disent qu'il n'y a rien. Ça peut être surprenant pour nous, mais pour eux, c'est tout à fait logique, puisque même la législation là-bas est de telle que l'argent sort de manière très complexe. Ça veut dire qu'il faut vraiment passer par des canevas compliqués pour que l'argent sorte de Guinée pour d'autres pays. Donc, ils estiment que leurs places sont occupées par des halogènes, par des étrangers. Et par conséquent, il faudrait qu'ils partent. Le pire, c'est qu'on a l'impression que l'État cautionne. Parce que après les véhicules qui ont transporté les étrangers de Guinée sont des véhicules, il y a des véhicules par exemple de la police, et c'est un hélicoptère, et c'est un avion de l'armée qui a eu à transporter les différents étrangers, les Camerounais, pour revenir. Ça veut dire que quelque part... pas quelque part, ça veut dire qu'il y a eu questionnement. Je ne sais pas si c'est pour protéger les étrangers en les ramenant chez eux de manière saine et sauve, mais toujours est-il que on n'a pas véritablement vu une envie de défendre les pays, les membres ou du moins les citoyens des pays frères. Ce n'est pas la première fois et nous sommes tentés de se demander jusqu'à quand. Nous ne sommes pas forcément experts en diplomatie, mais la position qu'occupe le Cameroun en Afrique centrale peut quand même permettre au Cameroun d'avoir des moyens de pression, parce qu'il y a aussi des Équato-Guinéens ici. Absolument. Il y a des Nigériens ici, il y a des Gabonais ici. Je ne sais pas s'ils vivent les mêmes situations. Je ne sais pas si on a des gens un jour ici expulsés, des Nigériens, et Dieu seul sait qu'en 2000... sans toutefois te couper, Steve, ils ont des cartes nationales, des CNI. Voilà. Donc, tant comme des Camerounais. Dieu seul sait qu'en 2000, au plus fort de la Coupe d'Afrique, de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a des choses qui auraient pu se passer. Je me rappelle, l'armée a même, du moins la police, a même sécurisé des quartiers comme Vogada à l'époque, pour que les citoyens nigériens vivant ici ne soit pas en danger. Donc nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nos frères équato-guinéens, ils peuvent bien protéger leurs intérêts. C'est tout à fait logique, mais à ce point, c'est un peu inquiétant. Il n'y a pas d'actes, on va dire, des actes assez illégaux qui ont été, du moins, proférés par des ressortissants camerounais qui auraient peut-être suscité ces réactions de la part, n'est-ce pas, de ces Équato-Guinéens? Alors, comme je vous dis, si ce n'était que nous, on aurait dit, les gars, là, on a fait comme ils font d'habitude. Dieu merci, cette fois, ce n'est pas que les Camerounais. D'accord, ça aurait été nous qu'on aurait dit vraiment, eux là, ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont l'habitude de nous voler, de nous... Mais ce n'est pas que les Camerounais, c'est des ressortissants d'autres pays.
du Tchad, du Nigeria, du Cameroun. Je crois qu'il n'y a que les Gabonais qui ne sont pas forcément, parce que voilà. Mais c'est d'autres, c'est le Cameroun et d'autres ressortissants de la sous-région. Mmh. Ce n'est pas que les Camerounais. Lise David Anguili, le richissime et milliardaire nigérian Aliko Dangote faisait référence il y a quelque temps sur un plateau de télévision qu'il est très difficile de circuler librement, du moins dans la sous-région Afrique, et que cela peut être un énorme frein, du moins à l'évolution de cette partie, n'est-ce pas, du continent. Est-ce que finalement ce rejet des autres de ce côté-là ne pourraient pas davantage continuer à crisper et à freiner l'évolution de la Guinée équatoriale et également peut-être les relations entre les sept différents pays? Tout à fait. C'est d'abord triste de voir que tout un État comme l'État équato-guinéen décide de faire partir les étrangers sous prétexte qu'ils protègent leur intérêt. C'est bizarre. On se souvient de l'Afrique du Sud qui, à un moment, il y avait une des émeutes qui disaient que, bon, voilà, fallait que les étrangers partent, fallait que on donne la place aux souches même sud-africaines. Et c'est ce qui se vit encore actuellement. On ne peut qu'être triste parce que, à cette allure, on est sûr que la sous-région Afrique centrale sera toujours derrière. Hein. Mmh. On ne valorise pas assez, on ne s'entraide pas assez, on ne se comprend même pas aussi. Et ça ne peut qu'être dommage. Ça ne peut qu'être dommage. Marina Kovine, est-ce qu'on peut finalement assimiler cela à de la xénophobie et surtout quelles peuvent être encore davantage les conséquences et comment remédier concrètement à ce problème qui perdure depuis un moment donné? On voit chaque fois des plaintes de ce côté, que ces derniers ont du mal à commercialiser. Je ne sais pas trop comment ils s'y prennent, Steve Anicedo. Je ne sais pas s'ils occupent tout les espaces pour empêcher ces derniers de commercialiser leurs produits. En fait, on dit que les Camerounais sont ingénieux. Mmh. Voilà. Les Camerounais sont des battants qui font tout, qui travaillent énormément. Et on a pour habitude de taxer les Équato-Guinéens de paresseux. Mmh. Alors, comme vous l'avez dit, vrai ou pas peut-être... Vrai ou pas vrai? Je ne sais pas trop. Je ne vis pas là-bas, non. Donc, je ne sais pas. Est-ce que les Camerounais ont occupé... On a dit pas uniquement les Camerounais, mais j'imagine que les Camerounais sont en majorité de ce côté-là. Mmh. Et je vais un peu être du, je sais pas. Oui, allez-y. Pourquoi elle a peur d'être En fait, je me dis si le gouvernement camerounais et les autres gouvernements, on essaie aussi de traiter ces Équato-Guinéens de la même façon. De la même façon. Je ne sais pas, peut-être leurs gouvernants changeront cette façon d'agir. Beaucoup plus envers les Camerounais parce qu'on s'est dit, oui Steve, avec les Gabonais c'est différent, l'entente entre Équato-Guinéens et Gabonais c'est différent. C'est pas la même chose entre Équato-Guinéens et Camerounais, c'est différent, voilà, c'est différent. Et si on essaie d'être un peu dur avec ces derniers-là, je me dis, les choses pourraient changer. Ça pourrait changer. Il y a toujours eu des problèmes entre Camerounais et Équato-Guinéens au niveau des frontières, des Camerounais qu'on accuse de voler des terres, qu'on accuse d'avoir tué un X, un Y. Malgré certains accords, la situation ne s'arrange pas. On est toujours sous ce prisme-là d'évacuation, d'expulsion. Mmh. Voilà, c'est le thème. On est toujours sous le prisme d'expulsion. À chaque instant, dès qu'il y a un petit problème, on va suivre, on a expulsé les Camerounais. Mmh. C'est vrai qu'il y a d'autres Africains, mais les Camerounais sont les plus nombreux de ce côté-là. Mmh. Et la solution, il faudrait que nos gouvernants s'asseyent, essayent de voir quelles sont les mesures à prendre pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Mmh. Comment faire pour y remédier? Moi, je ne suis pas placée d'Al Kevin pour donner une solution, quoi. Voilà. Mais votre je avis maîtrise compte pas toujours. Très. Oui, mon avis compte, mais je ne maîtrise pas bien le domaine. Oui. Ouais, je préfère ne pas m'aventurer. Sur un terrain. Voilà, c'est de peur de causer un problème un incident diplomatique par rapport à ce que j'aurais dit face à la
à la Guinée équatoriale. En tout cas, c'est très bien. Je me préserve. C'est très bien de le dire, d'avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. On ne peut pas être... omniscient. Ou tout sachant. Tout sachant. Alors, pour sortir véritablement de ce sujet, j'aimerais revenir vers vous, Steve. On se rend compte, n'est-ce pas, que l'un des facteurs qui pourrait contribuer à ce que l'Afrique se développe davantage serait la libre circulation des biens et des personnes. Cette possibilité pour un Camerounais d'aller en Côte d'Ivoire, lancer une activité, faire bouger les choses, aller du côté de la Guinée équatoriale, lancer une activité et vice-versa. Aujourd'hui, à travers ces attitudes, ou du moins ces actions que nous pouvons constater, est-ce qu'on peut réellement se dire que l'idéal qui voudrait que le panafricanisme ou bien que cette Afrique unie et soudée, développée pour des émergences à venir, que ce n'est qu'un, on va dire, un songe qui nous anime? Tout ça, c'est des slogans crus. Mm. Tout ça, c'est... Moi, je n'y crois pas. Clairement. Mmh. Parce que l'Africain est un personnage très compliqué. On dit que ce qui a été fait ailleurs et a marché, on vous fait croire que ça ne peut pas marcher ici. Ils ont leurs adages là, l'Afrique c'est l'Afrique, le Cameroun c'est le Cameroun. Mmh. Ce que ça veut dire, moi je ne sais pas. Mmh. Les gars sont même arrivés à un niveau où ils sont déjà... tribaliste, c'est-à-dire que tu entends un gars te dire que moi je suis petit et même entre les petits, quand on dit un petit, si tu essayes de dire à un gars retourne qu'il est manguissa, il se fâche sur toi, il te dit vraiment, il y a des blagues qu'on ne fait pas. À ce point, si tu dis à un Toumou qu'il envahit, il prend feu, comme on dit au quartier. Mm. Donc, si des gens ont ce genre de comportement, du point de vue dont au niveau le plus bas, ça veut dire que des replis identitaires au niveau le plus bas, dans le tribalisme, comment tu voudrais qu'entre États, ils se réunissent? C'est un peu plus compliqué. Ça veut dire qu'au Cameroun quand même, il y a des familles dans le sud qui sont parentées à des gens au Gabon et en Guinée équatoriale. Mmh. D'accord. Bien sûr. Ça veut dire que d'abord, les frontières ne répondent à aucune réalité sociologique ou culturelle. Mmh. On sait tous comment ces frontières-là... Bon, pour les enfants de 6e et du coup moyenne 2, c'est des papas blancs qui se sont assis, ils ont décidé de découper l'Afrique selon leur bon vouloir. Donc ça ne répond à aucune réalité culturelle ou politique même de cette époque-là. Mmh. Aucune. Donc tu ne comprends pas pourquoi des Africains n'arrivent pas à s'asseoir. Comment est-ce qu'un gars... n'arrive pas à quitter Ebolova et aller à Oyem sans que cela ne pose problème. Pourquoi? Pourquoi un gars ne peut pas partir du Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire sans que cela ne pose problème? Alors que les plus grands États au monde sont justement des États où il y a cette libre circulation. La Russie est très grande. Absolument, oui. D'accord? La Russie est hyper grande. Et il y a circulation des hommes et des biens. Mmh. Et on voit que la Russie est l'une des superpuissances au monde. Et elles sont deux, la Russie et les États-Unis. Mmh. Les États-Unis, pareil. L'Europe, pareil. En Afrique, les pays anglo-saxons veulent, sont en tout cas en train de... Parce que quand vous voyez le Ghana, le Nigeria et tout, la Tanzanie, vous avez l'impression que ce sont des mêmes gens. C'est des gens qui essayent de tout partager, que ce soit en termes de cinéma, de culture, de machin. Ils essayent de tout faire ensemble. Mais il y a un problème, le problème concernant la question de la géographie, des frontières géographiques qui causent également problème. Est-ce qu'il faudrait repenser également ces frontières-là? Il n'y a pas de frontières entre les pays européens. Est-ce que le seul endroit où il y a les frontières, c'est en Afrique? Mais il y a bien une frontière entre la Belgique et la France. Il y a une frontière entre la Pologne et je ne sais pas qui. Il y a une frontière entre l'Italie et la France. Mais quand quelqu'un vit en Italie, quand quelqu'un vit en Allemagne, vous qui avez la chance d'avoir des gens de l'autre côté, les gens qui vont de France pour l'Allemagne, ils vont en métro, oui ou non? Absolument. Tu parles au Gabon en métro? Ça dépend. Il faudrait d'abord avoir le métro de ce côté. Il faudrait d'abord arriver au métro. Même s'il y avait le métro, ce serait très compliqué, puisqu'il y a une route du côté de Kiosi aussi. Oui. Mais c'est très compliqué. Comment tu fais pour y aller? Demandez aux étudiants gabonais qui sont au Cameroun.
ils vont vous dire. C'est très compliqué. Ça ne se passe pas de manière aussi simple. Mmh. Or, on ne peut pas. Moi, je vis dans une zone où il y a des véhicules gabonais qui viennent acheter de la nourriture ici en Vungbi. Mmh. D'accord. Quand vous avez déjà atteint ce niveau-là d'échange entre États, pourquoi ne pas faciliter la transaction? Parce que moi, je suis presque sûr que s'il était facile là, pour des Camerounais d'aller faire du commerce, d'aller faire du business et vice-versa, de l'autre côté et revenir ici, je ne vois pas le bien fondé d'aller vivre en Guinée équatoriale. Pourquoi est-ce que je devrais aller vivre en Guinée si il est facile pour moi de revenir au Cameroun dès lors que j'ai fini de faire ce que j'ai à faire? Vous n'avez qu'à regarder par exemple. Il y a des gens qui vivent au Cameroun, pourtant ils ont leurs différentes activités au Tchad. D'accord? Oui. Ils vont au Tchad, ils reviennent. Pour certaines parties de ce pays, on utilise le réseau Airtel, qui est gabonais. Oui, oui. Pour certaines parties du sud Cameroun. Mm. C'est même plus le réseau téléphonique d'ici. D'accord? Pour certaines parties de ce pays, on a utilisé le Naira. Mm. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi c'est aussi pénible pour les présidents africains, pour les présidents francophones, si ce n'est de l'égoïsme, comme on est en train de le constater actuellement en Guinée équatoriale, encore qu'on va nous dire qu'il n'est pas président francophone, mais bon, de la sous-région CEMAC, je ne sais pas pourquoi c'est aussi complexe et en Afrique de manière générale, d'avoir une sorte de libre circulation dans les États, encore qu'on n'est pas fort, on n'est pas nombreux, autant mieux s'unir. Absolument. Vous suivez les autres. Absolument. Vous l'avez sans doute bien souligné, Steven Isendo. On va sans doute prendre une petite transition avant d'aller retrouver le prochain sujet donc de cette soirée. Transition, on se retrouve juste derrière. Et on revient donc sur cette antenne, il est 17h passé de 47 minutes, on parle de choléra. Depuis hier, on a donc ouvert la porte, n'est-ce pas, la brèche sur ce sujet, quant, n'est-ce pas, la résurgence de l'épidémie de choléra. Et on nous signale aujourd'hui que déjà 4 décès sont enregistrés dans la région du sud-ouest, détectés les 27 et 30 octobre dernier. Les 4 personnes, n'est-ce pas, viennent de perdre la vie, vous nous dites, Marina. Effectivement, Dal Kevin, la délégation régionale de santé publique dans la localité des Kondo-Titi au sud-ouest vient de donner l'information selon laquelle des cas détectés il y a peu, c'est-à-dire 4 des cas détectés, 4 personnes sont décédées des suites de cette maladie. Passé de 9 cas il y a 2 jours à 23, l'épidémie évolue rapidement et s'étend de plus en plus dans la dite région. On a les localités de Djaban, Kombo et Tindi, hôpital de district de Bakassi et Kondo Titi. Voilà les zones principalement affectées ou alors les zones, les espaces où ces cas de choléra ont été enregistrés. Avec un cas détecté à l'hôpital de district de Biémassi, tous les districts du département du Fundi et ses environs sont en alerte pour éviter la propagation de la maladie, notamment la recherche active des cas dans la communauté, la sensibilisation sur les manifestations, les mesures préventives. En riposte à cette maladie, une vaste campagne de vaccination sera organisée dans les prochains jours, principalement menée du côté du sud-ouest ainsi qu'au centre, région principalement touchée. Hier, déjà, on tentait de comprendre quelles sont les raisons, n'est-ce pas, proches ou lointaines, qui contribuent à ce que le choléra revienne avec autant de virulence. Je reviens vers vous, très chère Lise Davina Nguili. On avait évoqué la question, n'est-ce pas, des ordures qui jonchaient les rues d'Yaoundé et Douala. Mais cette fois-ci, nous sommes du côté du sud-ouest. Cela veut dire que le problème, ou du moins les causes, n'est-ce pas, de cette résurgence se situent ailleurs. Oui, tout à fait. Les causes ne sont pas dans le centre, dans le littoral. On parlait des immondices versés ça et là. Et maintenant, on est dans le sud-ouest,
forcément, les causes sont autres. On ne va pas dire qu'on n'a pas entendu durant la semaine qui vient de s'écouler que la société de salubrité, hygiène et salubrité a fait aussi des grèves de ce côté-là. Mais entre autres des causes, on parle de la qualité de l'eau que les populations, la qualité de l'eau consomment. Oui. Merci. Donc, on se dit que si ce n'est pas les odeurs qui jonchaient les immondices versées partout, il y a la qualité de l'eau, il y a les petits gestes que les uns et les autres ont tendance à oublier, qui faille revoir, faire bouillir de l'eau avant de la consommer, laver les mains, essayer de gérer ça. Parce que là, ça fait deux cas d'épidémie qu'on est en train de gérer. On gère le coronavirus. Et maintenant, on a le choléra de l'autre côté. C'est quand même fort pour nous. Hein. Mm. C'est très fort. C'est hot. Steven Isseno, le choléra est de retour et cette fois-ci c'est à la région du sud-ouest de Payé, donc le prix fort avec, nous dit-on, 4 décès suite à cette maladie. Que se passe-t-il exactement? Alors, la cause par exemple au sud-ouest, ça peut être le... Vous savez, la situation sécuritaire dans ce secteur-là est un peu... Voilà, on la connaît tous. Et ça peut causer, il peut y avoir des déplacés internes. Ça veut dire que des gens qui fuient, des régions qui sont un peu plus enclins au combat, pour revenir vers des endroits relativement plus calmes. Tu vois, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans un milieu peut-être restreint, ce qui peut causer un certain nombre de choses. On a vu des cas... Pareil dans des camps du HCR ou de... Voilà. Mais à côté de ça, justement, il faut prendre des mesures. Oui. Et comme je disais encore hier, les mesures, ça ne vient pas que... Laver les mains... Non, ce n'est plus à ce niveau. Non, je suis désolé. Lise n'est pas de cet avis. C'est la base, on commence d'abord à se laver les mains avant et après chaque repas. Les gens ne se lavent pas les mains de ce côté, Lise, à votre Non, avis. Je ne dis pas de ce côté. Je rappelle juste les petits gestes pour éviter cette maladie. Se laver les mains avant et après, faire bouillir leur combat. Ce sont des petits gestes qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier. L'idée, c'est de contextualiser l'affaire, Marina. Je vois très intéressée par ce sujet, non. Steve. Déjà, je suis minoritaire ici. Allez, que je vais continuer de l'aide. Il y a deux hommes, il y a deux femmes. Allez-y. Non, il est seul minoritaire de son avis. Il est minoritaire de donner son avis. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne peux pas dire aux gens de ne pas se laver les mains. Il ne faut pas être de mauvaise foi non plus. D'accord. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si on dit aux gens de laver les mains et ça se règle, on est en train de se tromper. Les problèmes sont ailleurs et il faut le reconnaître. Ça veut dire que quand vous demandez à quelqu'un de laver les mains, rassurez-vous qu'il ait de l'eau. S'il n'a pas d'eau, il lave les mains avec quoi? D'accord. C'est pour ça que moi, je préfère prendre le problème en amont. Parce que laver les mains, là, c'est déjà en bas. C'est loin en bas. C'est quelque part à l'état de protéger. Et c'est même à l'état, ce sont ses prérogatives de protéger. Et c'est même une... C'est un droit. Dit que l'État a le devoir de protéger ses concitoyens. Tu vois? Donc, il faut de l'eau. Marine, il faut bien tousser. Il faut de l'eau. D'accord? Il faut se rassurer que les marchés dans lesquels les produits sont vendus, qu'ils soient bien vendus. Moi, contrairement à mes copanélistes, je n'ai pas envie de donner... de laisser la responsabilité à un pan ou à un groupe de personnes. Ça veut dire que c'est à l'État, à un moment donné, en amont, de créer les moyens ou des situations de confort des citoyens. Maintenant, aux citoyens eux-mêmes. Parce que hier, par exemple, je parlais d'une dolé lavée. On en riait ici. Marina nous a souligné qu'elle... Parce qu'après, après l'État crée un marché, vous allez quand même trouver une dame qui va se battre
à vendre des tomates à même le sol. Ça aussi, c'est un problème. Et c'est où la responsabilité des citoyens arrive. Et c'est où je dis qu'on devrait peut-être laver les mains. Laver les mains. Ça, c'est leur part de responsabilité. Et maintenant, il y a ce que je vais appeler la responsabilité de ceux qui gèrent ce secteur-là dans l'État. Donc, le MINSANTÉ. Il ne faut pas attendre. Là, maintenant, nous sommes à 4 cas décédés. Et je vous disais encore hier qu'un seul cas, c'est déjà beaucoup. C'est des êtres humains. On ne sait pas. Moi, je parle des décédés parce que ceux qui sont... J'espère, je souhaite qu'ils tiennent, qu'ils ne meurent pas. Parce que c'est... Donc, il faudrait qu'ils commencent à prendre, parce que c'est comme ça qu'une épidémie part. D'un cas, deux cas, trois cas. Et puis, on va à 10. Et quand on traverse le seuil de 15... Généralement, ça devient un truc général. Donc, il faudrait que tant qu'on est encore à quelques cas, là, qu'ils se battent à ce que ça s'arrête le plus tôt possible. Cette région-là est déjà assez mouvementée comme ça. L'autre-là ne va pas s'ajouter, vraiment. Absolument. Marina Kovina, vous insistiez, vous soutenez mordicus, et bien que la solution... adéquate, ce serait de se laver les mains, d'observer vraiment les règles d'hygiène de base. Est-ce qu'au vu effectivement des propos évoqués par Steve Anicedo, ces règles d'hygiène de base suffisent dans le cas de figure que nous avons aujourd'hui? Bien sûr. Donc il faudrait... Il faudrait d'abord respecter les règles. Mais où trouve-t-on l'eau? Parce que... C'est vrai que... C'est vrai qu'il y a... Il y a des problèmes d'eau. Et d'ailleurs, le journal Le Jour a titré « Choléra, la difficile lutte sous l'eau ». Sans eau, autant pour moi. « Choléra, la difficile lutte sans eau ». C'est dire que dans certains quartiers, on a un problème d'eau. Vous allez me dire qu'il y a des quartiers où il y a des sources. On peut s'y ravitailler comme Agnum. Là. Oui, mais même la source. On peut la source avec la façon, la façon. Excuse-moi, mais avec la façon dont les maisons sont construites, les toilettes et tout. Et l'eau, on ne peut plus faire confiance à l'eau de source. L'eau de source. On ne peut plus. Il faudrait d'abord respecter ces mesures d'Alkevin. C'est primordial, évidemment, en attendant la vaccination, la campagne de vaccination qui a été annoncée par le MINSANTÉ. Voilà. On espère que les cas ne vont pas augmenter entre-temps et que les uns et les autres vont ne serait-ce que respecter d'abord ces mesures, parce qu'il faudrait d'abord les respecter, ces mesures préventives, puis aussi observer nos proches lorsque on a un symptôme qui pourrait s'apparenter à ceux du choléra. Il faut rapidement alerter ces médecins-là. En tout cas, on a bien suivi votre argumentaire, Marina. Merci pour cette intervention. On va donc rapidement prendre la dernière thématique avant d'aller retrouver notre invité de ce soir, qui est déjà donc avec nous sur cette antenne, la Miss Ozira Mebounou, qui nous retrouvera juste après donc cette autre thématique avec laquelle on parlera sans doute d'entrepreneuriat et de beaucoup de sujets tout à fait intéressants. Mais avant d'y arriver, intéressons-nous aux stupéfiants. Alors, on en parlait déjà hier, le sujet a fait parler beaucoup de personnes, a fait réagir énormément de personnes sur ce plateau, les regards fusent donc de partout. Alors cette fois-ci, il s'agit de deux jeunes écoliers qui viennent d'être interpellés par les forces de l'ordre en possession de drogue. Maria. Effectivement, Dalkevin, ce sont des élèves du lycée d'Elie Guessono, ils sont au nombre de deux, comme vous l'avez dit, qui ont été arrêtés en possession de plusieurs variétés de drogue. On parle du thaï, j'espère que je prononce bien, le caillou, qui est une... Le caillou. Apparemment, c'est une... Le caillou, qui est une variété de drogue. Je ne suis pas... Il y en a beaucoup. Il n'y a pas nos collègues ici. Effectivement. Dommage, il n'y a pas de spécialiste en drogue. Allez-y, on parle de cocaïne et puis ndengue. Voilà. Ndengue. Voilà, j'espère que je prononce bien. Et ces derniers aussi étaient interpellés. On a retrouvé des armes blanches d'Alkevin dans les sacs de ces élèves-là, avec, comme on peut le voir à l'écran. Voilà ce que contenaient
les sacs, les différents sacs de nos deux élèves du lycée d'Élie Le Sono qui ont été appréhendés par les forces de l'ordre. C'est toute une entreprise qui se crée du côté donc, du lycée d'Élie et Sono, n'est-ce pas? On voit donc les détenteurs de ce que Marina a appelé aujourd'hui le guet, voilà. Le caillou. Le caillou. Merci de nous prêter encore l'expression. Alors, je reviens vers vous, très chère Lise Davinanguilé. On voit donc pratiquement hein, des jeunes qui, chaque jour, se livrent à cet exercice qui consiste à commercialiser des stupéfiants de la drogue. On parle de cocaïne. Il s'agit plutôt d'une drogue assez spéciale, hein, il faut le dire. Comment est-ce que ces jeunes réussissent à entrer en possession de telles de telles substances? Et ce n'est pas aujourd'hui hein, véritablement qu'on observe cela. Il faut dire que malgré les sensibilisations, comme Marina le soulignait hier, écrire dans, à l'entrée des établissements en rouge, n'est-ce pas, non à la consommation de drogue, il faut dire que le message ne passe plus. David Kevin, quand vous me demandez comment est-ce qu'ils font pour se ravitailler, je ne sais quoi dire parce que je ne suis pas de ce côté-là. Donc, mais quand même, c'est plus on avance, enfin, plus les années passent, plus on voit que les jeunes ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Mmh. Je ne suis pas de la vieille école, mais je sais quand même que quand je fréquentais encore dans les lycées, avant d'avoir accès au lycée, il fallait ouvrir ton sac, faire sortir tes effets, oui, secouer, ouvrir les cahiers. Mais en fait, si on, dans son lycée, on a laissé entrer ça, ça veut dire que la surveillance n'est plus celle qu'elle était avant. Je rejoins Steve hier qui disait que les parents ne doivent pas laisser la responsabilité à tout le monde, sauf à eux. Comment est-ce qu'on explique que les enfants aient quitté la maison et qu'ils soient arrivés au lycée avec autant de... marchandises, dites-le. Ce que vous avez dit là. Ma bouche refuse de prononcer un tel gros mot. Donc, c'est vrai qu'on dit que quand ils sortent, ils peuvent être clean. Après, la route est longue pour arriver au lycée. Donc, ce que certains disent. Mais c'est quand même... c'est triste de voir que ce sont des jeunes qui choisissent ce chemin-là quand tous les jours on essaye de leur dire que la meilleure façon d'avoir la vie de leur rêve, c'est d'abord de commencer à faire l'école et puis petit à petit ils vont essayer de s'élever. Donc ça fait quand même mal, c'est bizarre en fait. Je me mets à la place des parents, vous êtes assis à la maison, vous êtes au bureau, on vous appelle pour vous dire, bon voilà, on a retrouvé une marchandise de 3 kilos, je ne sais pas moi, 5 kilos dans le sac de votre fils. Je me mets vraiment à la place de ces parents-là, tu ne sais même pas où avec mettre la tête, blanches. Avec des armes blanches. Chaque jour on parle de retours, il y a ce phénomène-là qui fait la surface, des retours qui tuent les enfants, des enfants qui poignardent leurs camarades, qui poignardent même le corps enseignant. C'est dommage. Très dommage. Steven Isedo, finalement, on se rend compte que l'industrie de la drogue va bon train dans les établissements scolaires. Et le plus inquiétant encore dans cela, c'est qu'on se retrouve avec des apprenants qui ramènent, n'est-ce pas, des armes blanches. Il faut dire que nos écoles n'apprennent plus seulement les leçons, mais aussi effectivement le crime. Parce que peut bien faire un apprenant avec des armes blanches à des heures de cours ou encore même avec de la drogue? Hier, vous avez évoqué des hypothèses qui pourraient contribuer à lutter contre effectivement la propension de la drogue en milieu scolaire. Vous indexiez fortement également les domiciles, les parents comme étant effectivement les responsables qui doivent veiller à l'éducation de ces enfants-là, mais on se rend compte de plus en plus que les conditions, du moins sociales, ne vous donnent pas raison à ce niveau-là. Que faut-il clairement faire et que faut-il penser effectivement de cette interpellation? Alors, lorsqu'on abordait ce sujet hier, on était certainement à mille lieues de s'imaginer qu'aujourd'hui on reviendrait là-dessus. C'est peut-être le malheur d'avoir raison trop tôt. Alors, les images que j'ai eu comme tout le monde à regarder ces images aujourd'hui, ce n'est rien de plus que la désolation, encore une fois.
Et il y a un pan que je suis encore en train de... qui ressort aujourd'hui. Parce que ce que les jeunes hommes l'avaient quand même, c'est beaucoup de drogue, c'est beaucoup de... Tu te dis, mais comment ils sont entrés? Mais en fait, comment ils sont entrés, on sait. On sait. D'accord? C'est très simple. Dans ces établissements scolaires, les établissements publics surtout, il y a, quand je disais qu'il y a des gens qui n'ont aucune moralité, qui n'ont aucun sentiment de redevabilité vis-à-vis de la nation ou de... Il en existe. Ça veut dire que je vous ai pris un exemple hier de quelqu'un qui reçoit des enfants au bar. Des gens viennent dans son bar, il sait bien que c'est des mineurs, c'est des élèves, mais il prend de leur argent parce que pour lui, l'argent, c'est tout. C'est la même chose avec ces Virgiles. Parce que le Virgile, en principe, tu n'entres pas comme ça avec le Virgile. Mais le problème, c'est que les Virgiles sont désormais les copains de ces élèves-là. Pour 1000 francs, pour 500, pour va m'appeler ta camarade en classe, on se voit en soirée. Voilà leur travail. Et qu'ils ont... Et pour... Cela fait sourire, Lise. Allez, allez-y. Oui, on peut en rire, mais personnellement, ce sujet ne m'amuse pas. Parce qu'il commence à prendre des proportions qui vont faire en sorte que demain, on ne sera plus qu'à Los Angeles ici. Absolument. Essayez de voir l'Afrique du Sud. Oui. Essayez de voir. C'est l'un des pays les plus violents au monde. Regardez bien comment ça se passe chez ceux qui ont perdu le contrôle. De nous, c'est encore en phase embryonnaire. Absolument. Ouais. Et on est en train de regarder faire. Est-ce que ça vous semble sérieux qu'aujourd'hui, il y ait des policiers devant des établissements scolaires? L'école, c'est un sanctuaire. L'école, c'est un lieu de paix. C'est-à-dire que c'est un lieu qui brade, ou du moins qui brave tous les clivages ethniques, religieux et tout ça. C'est un environnement neutre et vierge. Et vous ramenez, et il y a déjà des hommes en tenue dans des écoles. On est en train de toucher le fond. Je vous rappelle que c'est la même chose qui se passe aux États-Unis désormais. Ça veut dire qu'on est en train de réfléchir à si les enseignants vont porter des armes ou non. Vous en riez. Ça veut dire qu'on demande, on est en train de dire, à regarder comment les élèves sont devenus dangereux. Est-ce qu'il n'est pas préférable que les enseignants aillent à l'école avec des armes à feu? C'est à ce niveau qu'ils sont là-bas. Il y a des États qui sont, il y a des États qui sont partants. D'accord? Ces gars vont où avec toute cette marchandise? C'est vendre à leurs camarades. Parce qu'ils ont des clients. Ils ne sont pas allés avec là-bas pour se balader. Ils ont des clients. Ces gars vont où avec... Je voyais tout le matériel là, on aurait dit qu'ils sont électriciens. Ils ont et des tournevis et des pinces. Tu ne comprends pas où c'est ils vont. C'est pour gérer le retour. Tu ne comprends pas où ils vont avec tout ça. Le tournevis, c'est pour qui? C'est toi qui viens dépanner le coût de l'électricité. C'est pour le client qui ne paye pas, tout simplement. C'est pour le client qui ne paye pas. Dans l'école, c'est déjà un supermarché. C'est donc ça le problème. Parce que vous faites bien de souligner le cas du tournevis, parce qu'on a vu ce jeune... Ça fait quoi là-bas? Cet enseignant qui a perdu la vie de cette façon. Le tournevis, je rappelle qu'en Colombie-Sonone, on a tué un enseignant avec le tournevis. Le petit blaireau à doigts là, je crois que c'était avec les ciseaux. Je crois que c'était avec c'était les compas. Ou le compas. Le compas, oui. En Colombie-Sonone, c'était le compas aussi. Mais machin, c'était le tournevis. Il y a une petite fille au lycée de Fumbane qui dernièrement menaçait son camarade avec un couteau. Oui, absolument. Mais c'est comment? Est-ce qu'on va continuer? Et aux enseignants, aux dirigeants d'école et aux parents. Ça veut dire que comme les parents savent, parce que tu sais exactement ce que ton enfant est, on l'a chassé du lycée de A, tu fabriques un faux bulletin, tu envoies au lycée de B. Les dirigeants aussi de ces écoles-là. Actuellement, on dit même Covid oblige. On fait même les mi-temps. Mais jusqu'à présent, les classes sont toujours bondées. Parce que le chiffre qu'on a donné pour les salles de classe n'est pas respecté du tout. Il y a toujours un gars qui vient à côté remettre 50 000 ou 100 000 francs. Une chèvre. Pour accepter des délinquants
pareil dans les établissements scolaires. Une chèvre. Permettez aux enfants qui veulent faire l'école de faire l'école. Mmh. Et que fait-on de ces autres enfants-là? Si vous ne voulez pas... Mais écoutez, il y a des prisons pour mineurs. Si vous ne voulez même pas fréquenter, ne fréquentez pas. Pourquoi vous allez là-bas? Et que font-ils s'ils ne fréquentent pas Steven Isendo? Tout le monde n'est pas... Il y a des gens qui sont allés à l'école. Je vais être dur. Il y a des gens qui sont allés à l'école et se sont quand même arrêtés. Vous, vous avez continué. Mais pourquoi vous pensez que tout le monde a des prédispositions intellectuelles? Il y a des gens qui ont arrêté l'école et n'ont pas échoué pour autant. D'ailleurs, les plus riches sur Terre actuellement, ceux qui détiennent le tiers de la fortune mondiale, n'ont pas poussé, ils ont abandonné leurs études, oui ou non. Mais pourquoi on a envie de faire croire à quelqu'un que quand tu abandonnes l'école, tu deviens raté? Parce que c'est ce qui arrive très souvent au Cameroun. Quand il y a des gens, c'est pour ça que la loi existe. Mm. D'accord. Mm. La loi existe pour mettre certaines personnes en marge de la marge réelle de la société. Ça veut dire que si on établit des règles, on dit on marche comme ça, tu dis que tu marches à gauche, mais on te met en marge. Et c'est où tu vas, soit en prison, soit en correction, soit c'est tout. Pourquoi vous pensez que c'est méchant de ma part de dire ça? Non, donc vous préférez quoi? On ne le pense on pas. Le laisse, on le laisse à l'école. Non. Avec les enfants qui veulent effectivement fréquenter. Nous pensons clairement à la solution qui pourrait être adoptée pour ces enfants-là. La solution, c'est d'enlever ceci-là. Mmh. Et de les mettre où? C'est pas des élèves. Et de les mettre où, clairement, Steve? On les met où ils doivent être. Où? Ils sont à la gendarmerie, par exemple. Mmh. C'est là-bas qu'ils doivent être pour l'instant. Et après? Mais après, c'est simple. Mais est-ce qu'on a dit quand tu vas en prison ou quand tu vas à la gendarmerie ou en machin, c'est que tu n'es plus un être humain? Quand tu vas décider donc de te mettre ou de marcher comme le reste de la société marche, selon les règles et règlements, mais on te réintègre. Est-ce qu'on a dit que quelqu'un sort de prison et il devient un ostrogothe? Dans ce cas, on risquerait d'avoir des prisons un peu bondées, Steve. Parce donc, elles sont vides pour l'instant. Elles sont... non, on ne le dit pas. On essaye de trouver un meilleur moyen. Peut-être cela peut être l'ultime recours, Steve Anicedo. Comme il y a des prisons pour mineurs, par exemple. Parce que là, vous êtes en train de blaguer. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui décèdent parce qu'il y a des agissements comme ça. Ceux qui sont morts là, ce n'étaient pas des animaux. Attention, il y a un enseignant qui est venu donner cours. Il est venu donner cours un matin, il est mort. Mais cet enfant a été châtié quand même. D'accord. Mais vous vouliez donc qu'on fasse quoi de lui? Maintenant, comme on lui dit, voilà. Mais là, la loi s'applique à lui, parce qu'il faut dire ça ainsi, ce n'est pas comme si c'est un problème personnel. Oui. La loi s'applique à lui, il purge sa peine. Oui. Il revient en société et il continue sa vie parce qu'il a déjà, en espérant qu'il ait compris. Mais s'il est récidiviste, il repart. Voilà. Ce n'est pas une faveur qu'on lui accorde. Parce que s'il reste là où il y a les gens, c'est les autres qui veulent marcher comme la société le veut, qui en souffre. Mais là, on est dans le cas de la délinquance juvénile, Steven Isendo. On se dit, on s'interroge tout de même. Que doit-on faire de ces enfants qui se retrouvent dans des cas précis? Là donc, vous pouvez avoir raison. Ça veut dire que quand il va quand même en prison, on lui organise quand même des cours. Ou alors il apprend à être mécanicien là-bas. Ça, c'est des choses qu'on doit mettre sur pied par contre. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Mais il doit comprendre ça étant là-bas, pas étant dehors. Donc, on doit clairement écarter ce type de jeune qui se retrouve en train de jouer au dealer. Vous savez, moi je me dis que les parents de maintenant... avant, quand ta fille tombait enceinte, tu chassais partout au village. Parce que tu te disais, c'est comme si c'est une maladie contagieuse. donc, on doit le faire encore, Steve. Non, là, c'est juste pour en rire. D'accord. Mais pour être plus sérieux. Et je pense qu'à un moment donné, quand on a envie de faire marcher une société, il faut être strict. Oui. Pas méchant. Il faut être strict. S'ils ont fait ça, d'accord, ils l'ont établi, que la loi les frappe, on les enlève de la société et ils restent où ils doivent être. Maintenant, étant là-bas, puisqu'ils doivent réintégrer la société plus tard, on leur donne les moyens de réintégrer la société une fois sortis de là. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Mais eux, ils ne restent pas là où il y a nos élèves, là où il y a ceux des enfants qui veulent faire de l'école. Parce qu'ils sont en danger pour eux-mêmes. Oui. Ils sont en danger pour ces enfants. Ils sont en danger pour le corps éducatif. Moi, je ne veux pas voir des militaires à l'école. Parce qu'on doit contrôler des petits comme ça. C'est ça.
Marina Kovina, vous avez sans doute écouté Steve qui préconise que ses enfants doivent être châtiés, peut-être à la hauteur de leur forfait. On est clairement là dans le cadre. Je n'ai pas dit. Vous allez me mettre dans les problèmes. Dans les vrais problèmes. Je suis en train de dire qu'il... Si la loi s'applique à eux, mm-hmm. qu'on applique la loi aussi, simplement que ça. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces lois. Dans le cadre de leur forfait. C'est exactement. C'est ce que j'ai dit, Steven. Mais dire que je voudrais qu'on les châtie, c'est à comme si c'était un sentiment forfait. Personnel. Non, à la hauteur de leur forfait, Steven Issedo. J'espère, voilà. J'espère quand donc, même je n'en vois à personne de ces enfants. Mais si vous trouvez que ce qu'ils ont fait est normal, ah, mais non, il s'agit pas de, comme ça. Il ne s'agit pas de moi, Steve. Il ne s'agit pas de moi. Je vous relance, Marina, pour dire clairement, pour reprendre les propos de Steve, est-ce qu'on devrait véritablement châtier ces enfants-là à la hauteur de leur forfait, comme il l'a dit, tenant compte du fait que on est dans le cadre de la délinquance juvénile où il y a plusieurs adolescents qui se cherchent encore, qui n'ont vraiment pas encore, du moins, cet accompagnement. On a énuméré, n'est-ce pas, plusieurs raisons qui peuvent contribuer à cette délinquance juvénile. Quel est votre avis sur le sujet? Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ce phénomène de délinquance juvénile? À ce niveau, le discours ne tient plus, David Kevin. Oui, les discours ne tiennent plus. Il faut agir. Le phénomène est de plus en plus grandissant. Il faut agir. Comment se fait-il que des élèves allant à l'école se retrouvent avec des drogues dures, des poignards, des tournevis et des armes blanches de différentes natures? Cela veut dire que le phénomène est profond. Ça veut dire que, un, les parents ont déjà perdu le contrôle sur leurs enfants. De deux, la société a déjà eu le temps d'avoir son emprise sur ces derniers avec les réseaux sociaux et autres. Il faut prendre des mesures drastiques. Cette fois-ci, je serais d'accord avec Steve de les maintenir dans les geôles, bien évidemment, pour qu'ils servent de leçon aux autres. Figurez-vous, il y a plusieurs enseignants qui ont perdu la vie. Il y a des enseignants qui vont donner des cours avec cette peur-là. J'en connais, ils sont nombreux. Ils vont à l'école donner cours aux élèves, aux étudiants avec cette peur-là. Est-ce qu'un élève ne va pas sortir avec une arme derrière mon dos pour me poignarder parce que je leur ai donné une certaine note, ou alors je serai regardant sur X ou Y? Il faudrait que les pouvoirs publics essaient de régulariser cette affaire. C'est un véritable problème. Et aujourd'hui, ce n'est plus question de l'âge, David Kevin. Il y a des élèves de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans. Je pense bien le rapport de 2020 faisait état d'un élève de 13 ans qui vendait la drogue dans son établissement. C'était au lycée bilingue des SOS en 2020. Il faisait partie d'un groupe dont vous voyez déjà qu'à 13 ans, si un enfant se retrouve à être un dealer, voilà. C'est clairement un dealer, c'est compliqué. À 13 ans, je dis qu'à 18 ans, il sera un mac terrible. Il sera déjà Pablo un baron. Un baron. Alors, il faudrait qu'on soit de plus en plus... que la loi s'applique directement, effectivement. S'il faut les arrêter, on les arrête, qu'ils aillent en prison et puis ainsi les autres verront que ce n'est pas la blague. Voilà. On ne va pas vous envoyer en maison de correction, on va vous fouetter puis on va vous libérer. Non. Vous allez là-bas, vous faites le temps qu'il faut faire là-bas avant de ressortir, retransformer, si possible, bien sûr. En tout cas, je pense qu'il est important de dire que c'est un sujet qui alarme, qui inquiète encore un peu plus la communauté éducative quant à la pratique qui consiste à dispenser des cours à ces jeunes qui malheureusement se retrouvent encore dans la délinquance juvénile. Certains, vous l'avez souligné, deviennent des dealers. En tout cas, on retiendra que ce soir le propos de Steve, n'est-ce pas, est en admiration. Et pas que. Il est 18h passé de 18h. Minutes. On va aller prendre une respiration pour installer sur ce plateau notre invité, Miss Ozira Mbounou, qui nous retrouvera juste après. Donc, la transition, à tout de suite.
la Miss Nations Unies Cameroun est donc avec nous ce soir et elle colore, n'est-ce pas, ce plateau et vous pouvez le remarquer avec le sourire de Steve, Miss Osira Mbounou. Bonsoir, bienvenue. Décidément. Merci, bonsoir David, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Ça fait plaisir d'être bonsoir. Là. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes journaliste, présentatrice, entrepreneur, philanthrope et j'aimerais dire l'étoile de Dieu. Dieu, mais oui, ouais. C'est un peu de tout ça. Alors, de nombreuses casquettes pour une personne assez dynamique. On connaît bien évidemment vos actions. On a bien envie de savoir pour ceux qui découvrent Miss Osira Mbounou aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous présentez devant les téléspectateurs? Alors aujourd'hui, j'essaie de résumer la personne que je suis en disant tout simplement que je suis une jeune entrepreneur et journaliste parce que j'ai su allier ma passion et ma vocation. Donc je suis partie de quelque part pour en arriver là et ça me fait toujours plaisir. Voilà. Et j'espère que, en tant que journaliste, vous aurez sans doute une idée concernant les différentes thématiques abordées. Il y en a eu plusieurs. Est-ce qu'il y a un thème qui vous a particulièement interpellé ce soir et donc peut-être vous souhaitez votre avis. Bon, peut-être parler entrepreneuriat. Oui, c'est un thème. Ouais. Toujours. En tout cas, c'est donc ce qu'on aura le plaisir de faire durant cet échange. Alors, on rappelle côté entrepreneuriat que vous êtes lancé et que vous avez décidé de proposer aux Camerounais, il y a quelque temps déjà, une senteur, Chouquette. Comment est-ce qu'on arrive à ce projet-là? Alors, Chouquette, c'est, comme je vous ai dit, c'est vraiment, je pars de ma vocation à ma passion. Ma vocation, c'est la communication, tout ce qui est journalisme. Et puis, ma passion qui s'est révélée à travers cette marque de parfum, parce que depuis toute petite, je collectionne des bouteilles de parfum vite. Mmh. Donc, j'adore les senteurs. En d'autres termes, j'ai le nez, voilà. Mmh. Et donc, du coup, je me suis vraiment beaucoup attelée à cette passion-là, à cet amour-là pour les bonnes senteurs. Et j'ai commencé à mener des recherches, j'ai fait des enquêtes. Je me suis rendue compte qu'il était possible de créer une marque de parfum. Parce que quand je regardais autour de moi aussi, je ne voyais pas de parfum estampillé Made in Cameroun. Ça m'intriguait autant que je sais que tout le monde se parfume avant de sortir. Ouais. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est en train de bouffer nos parts de marché. Mmh. Donc en même temps, c'était un challenge, mais avant tout, c'était une passion parce que j'adore les parfums. Et le parfum, il a vu le jour parce que je l'ai d'abord dédié aux jeunes filles. Je compte en développer d'autres selon que les moyens me seront donnés. Mmh. Alors, les jeunes filles, c'est vrai que vous n'avez pas évoqué les hommes. Est-ce que finalement, justement, on en aura aussi? Bientôt. C'est pour ça que je parlais des moyens et du temps. Ouais. Parce que ce n'est pas facile. C'est vraiment un domaine. Moi, je n'ai pas étudié la cosmétique, mais je m'entoure des professionnels. Mmh. Je sais que ça a été vraiment pas évident de trouver la bonne formule. Parce que vous devez bien vous poser des questions. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne se lancent pas? Là, c'est parce que ce n'est pas facile. Mmh. Donc, on a un problème de matières premières qui, parfois, ne sont pas disponibles. Mmh. Et puis, on n'a pas de machine. Donc, il faut vraiment être malin pour pouvoir transformer l'idée en produit. Mmh. Et donc, si les choses s'améliorent, pourquoi pas développer une marque pour hommes, pour femmes, pour adultes? Mmh. Pour moi, c'est vraiment des ambitions. Alors, on rappelle que votre marque, c'est Chouquette. C'est un prénom, du moins, c'est un nom assez intéressant. Pourquoi ce nom? Pourquoi le nom? Pourquoi ce nom? Historiquement, c'est vrai. Je l'ai dédié à ma meilleure amie que j'ai perdue le jour de mon anniversaire, en novembre. Et quand elle est partie, je me suis demandé comment est-ce que j'allais pouvoir faire pour la revoir, pour lui rendre hommage. Et je l'appelais ma Chouquette, voilà. Et pour moi, justement, le parfum, c'est comme pour dire que mon amie, elle est toujours avec moi. Parce qu'un parfum, ça vous accompagne. Un parfum, ça raconte des histoires. Un parfum, ça vous rappelle même des époques. C'est pour ça que moi, je collectionnais des bouteilles. Parce que parfois, je restais là, je regardais cette bouteille et je me disais, ah tiens, ça c'est l'époque où j'avais des nattes, j'allais au collège. Ça c'est l'époque où je faisais 400 coups. Ça, en fait, chaque parfum raconte une histoire et chaque parfum vous accompagne pendant une période de votre vie. Donc, si pour moi, aujourd'hui, je peux toujours avoir ma Chouquette
près de moi à travers ce parfum. C'est pour cela que je lui ai dédié ce parfum-là. Et aussi, il ne faut pas se mentir, c'est un nom commercial que moi j'ai beaucoup aimé. Chouquette, ça sonne bien, c'est mignon. C'est par rapport à ma cible, je trouve que ça correspond. Que ça passe bien. Ouais. Chouquette, où en est-on? Où est-ce qu'on retrouve Chouquette? La vérité, c'est qu'on n'aurait plus de stock pour commencer parce qu'on a lancé en mars. Et je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui ont cru en ce projet et qui sont vraiment ruées vers tous les lieux qu'on a proposés pour avoir ce parfum. Il faut rappeler que Chouquette est disponible, était et sera encore disponible à la Galerie d'Art Contemporain où nous avons nos locaux. Ensuite à Dove du côté d'Oja parce qu'on a commencé avec ce secteur-là pour par la suite toucher les autres agences de Dove et pourquoi pas d'autres supermarchés. Donc pour l'instant, on est en train de préparer la nouvelle campagne qui verra le jour le 20 novembre. Mm-hmm. Et de là, on va vous communiquer les autres points de vente. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a bien envie de s'interroger sur comment est-ce que votre cœur de cible a reçu le produit. Comment est-ce que les gens ont réagi quand ils ont découvert Chouquette? Est-ce que c'était tout le monde qui achetait du Chouquette ou c'est un peu timide? C'est pour ça que j'ai commencé par remercier. Mmh. Parce que, pour être honnête, arriver dans un secteur aussi concurrentiel et commencer à grignoter quelque part de marché, ce n'est pas donné, et en si peu de temps. Mmh. Donc, pour être honnête, je pense que les gens ils étaient curieux. Parce que quand un produit arrive nouvellement sur le marché, tout le monde veut le découvrir. Mmh. Ensuite, il ne faut pas oublier que c'est le Made in Cameroun qui est mis en avant. Donc, c'est l'ingéniosité de pas mal de jeunes. C'est le talent camerounais qu'on est en train de vendre. Et surtout, c'est vraiment encourager les efforts. Mmh. Parce qu'on aurait pu croiser les bras, continuer à dépenser notre argent en achetant des produits étrangers. Pourtant, on a la capacité de produire nous-mêmes, localement. Mmh. Mmh. Donc, les Camerounais ont été curieux de voir... Ils veulent encourager, c'est pour ça que nous avons même ouvert une plateforme pour recueillir des avis, pour voir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut corriger, parce qu'on lance un produit pour une cible, et si les consommateurs sont satisfaits, tant mieux. Sinon, s'il y a des choses à améliorer, on écoute et on essaye de mettre en marche. Donc pour moi, je pense qu'ils ont été vraiment très réceptifs. Chouquette, c'est une entreprise de combien de personnes? L'entreprise, c'est Mima. Mima qui a trois volets, agence de mannequin hôtesse, une production audiovisuelle, une agence de production audiovisuelle et Mima Cosmétique qui a donc lancé Chouquette. S'il faut parler de Mima Cosmétique, la branche, il faut dire que là on est dans une quinzaine de personnes parce qu'il faut partir de la conception, les chimistes, ensuite c'est toute une chaîne, voilà. Donc on travaille vraiment avec des personnes de manière à ce que ça ne soit pas très lourd. On ne les réquisitionne pas. On les paye pour ce qu'ils font et ils font partie de l'équipe. Donc, on est une quinzaine de personnes. Alors, moi, j'ai une question. D'abord, je vais remarquer que on a tout fait de nous ignorer, nous les autres. Donc, peut-être qu'il va falloir que nous ayons notre 8 mars un jour. Dès le 9, parce que le 8 est pris. Pas le 7. Donc, non, chacun va faire sa part. Maintenant... Ma question, c'est de savoir, bon, puisque nous parlons d'entrepreneuriat, pourquoi est-ce que vous n'avez pas décidé, par exemple, en dépit du fait que je vous encourage totalement dans ce que vous faites, mais pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas dit que c'est quand même plus facile de transformer du manioc que de faire des parfums, encore que vous venez de nous dire que c'est très difficile d'avoir des ingénieurs, des chimistes. Et je voulais même vous demander si les plateaux techniques sont assez compétents au Cameroun pour ce genre de business. Donc, est-ce que ce n'est pas un caprice? Je voulais dire de femme, mais personne n'en fait. Mais est-ce que ce n'est pas un caprice? Qu'est-ce qui vous aura poussé à faire des parfums, par exemple, avec tout ce que cela comporte, plutôt que de transformer du plantain, ça aurait été facile de faire des chips. Pourquoi justement? Moi, j'allais plutôt vous renvoyer la question, pourquoi faire des chips comme tout le monde? Bon, c'est vrai que tu es une consoeur, mais jusqu'ici, les questions, c'est donc... bon, en fait, c'est une façon de vous répondre aussi, oui. De manière implicite, parce que, en fait, ce n'est pas un caprice, c'est un rêve. Mm-hmm. Et si vous ne rêvez pas, je pense que vous allez vous limiter à ce que vous avez. Vous n'aurez pas la capacité de vous surpasser. Mm-hmm. Pour moi, ça a été toujours un challenge. J'ai toujours aimé innover.
Parce que si même le président nous propose d'innover, c'est parce qu'il sait qu'il y a encore beaucoup de terrains vierges. Et ce terrain-là, il est vierge. Il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup à espérer. Donc pour moi, en fait, c'est au-delà d'un caprice, c'est au-delà d'une passion, c'est un business. Je vais vous surprendre, l'enveloppe que dépensent les commerçants pour payer des parfums s'élève à plus de 113 milliards. Vous savez ce que ça représente, vous savez ce que c'est. Moi, je les veux, ces 113 milliards-là. Et pour cela, je ne vais pas aller faire des chips, parce que j'adore les chips, mais parce que je me dis, ok, les chips, il y en a tellement de personnes qui font déjà dans ça. Et si aujourd'hui, on réussit à satisfaire les consommateurs qui aiment bien les chips, tant mieux. Maintenant, pourquoi ne pas aller ailleurs? Moi, j'aimerais, et surtout, vraiment, je dis à ceux qui me regardent, et chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer des jeunes, si vous avez un rêve, poursuivez-le, parce qu'il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, on ait des voitures made in Cameroun, qu'on arrête d'emprunter certaines choses aux étrangers, parce qu'on n'est pas né pour être tout le temps dépendant des autres. Alors, vous savez que ce secteur est un, du moins du point de vue international, c'est un secteur très concurrentiel. Oui. Et que, à la limite, c'est que des produits de luxe. À la limite, au plus haut point, les parfums sont des... Je me demande, est-ce que le plateau technique et du moins les ingénieurs camerounais, moi je n'en doute pas, mais est-ce que vous avez forcément les moyens là, du point de vue technique, d'avoir des parfums d'une certaine classe ou d'une certaine gamme? Disons haute gamme. Si je dis gamme... Haute gamme, on va penser que c'est du bas de gamme. Mais vraiment, un truc à la limite de chacun des Camerounais, un truc qu'un gars peut s'offrir quand il a 2000 ou 1500. Donc moi, j'ai envie de savoir si... Heureusement que mon produit coûte 2000 francs. C'est déjà bon. J'ai envie de savoir si techniquement, le Cameroun est au point. Vous savez quand même que Dior, avant d'être Dior, a commencé quelque part. C'était pour donc, pour dire que logiquement, on suit une croissance. Ouais. Un produit, quand il naît, c'est comme un enfant. Vous n'allez pas le comparer à une marque de luxe comme vous avez parlé. Parce qu'en réalité, pour nous, il s'agit d'abord de satisfaire une catégorie de cibles et déjà de satisfaire la demande. Parce que c'est quoi un parfum? C'est un liquide odorant. C'est une bonne senteur. Et dès que vous l'avez, le reste, ça se travaille après. Donc pour moi, je pense qu'on est déjà compétent dans le sens où on réussit à avoir une odeur qui met 24 heures. Peut-être, c'est parce qu'on n'avait pas encore vu Chouquette. J'aurai le temps peut-être de déposer Chouquette ici pour que vous voyez quand même que moi, quand je regarde Chouquette, je pense que Chouquette a tout pour concurrencer les autres parfums. Par rapport à la cible, parce qu'en fait, quand on parle de marque, on ne compare pas les marques hommes à des marques enfants, parce qu'en fait, la marque, elle est destinée aux jeunes filles. Et par rapport à la cible, je pense qu'on est vraiment au top. On a un packaging super. Justement, je voulais vous demander l'emballage. Oui. Comment vous le faites? Packaging, encore, il est fait avec un tissu. En dehors du flacon, en plastique, bien sûr. On ne va pas emballer du liquide dans des tissus. Donc, on a ce packaging-là. Et puis, l'odeur tient vraiment. Ouais. J'aimerais, et pour ceux qui ont déjà peut-être testé Chouquette, qui pourront vous le dire, on nous laisse pas mal de commentaires sur les réseaux. Alors, j'aimerais bien revenir sur un point essentiel. Ozira, on parlait effectivement de l'entrepreneuriat. Est-ce que Chouquette a bénéficié de subventions pour se maintenir? Parce que vous avez parlé de rupture de stock, ça veut dire que l'entreprise va bien et voilà. Donc, est-ce qu'il n'était pas... Elle vous a dit combien elle vise. C'est très intéressant et on espère que vous réussirez à toucher, n'est-ce pas, la cible. Alors, est-ce que finalement, les pouvoirs publics peut-être vous ont accompagné avec peut-être une subvention pour permettre à ce produit Made in Cameroun d'exister afin qu'il n'y ait plus peut-être rupture de stock et que toutes les jeunes filles puissent consommer du Chouquette? Bon, j'espère que s'ils nous regardent, encore que j'ai quand même partagé l'affiche, ils prendront en compte ce que vous êtes en train de dire. Parce que ce serait trop beau si les pouvoirs publics accompagnaient tous ces jeunes-là qui ont de très belles idées. Moi, je ne vais pas mentir, j'ai eu quand même des échanges avec pas mal d'autorités déjà qui ont promis, mais qui n'ont pas encore fait. Le plus dur, c'est d'abord de commencer. Et pour commencer, je n'ai pas eu droit à une subvention quelconque. Je me suis sacrifiée, j'ai travaillé. Ça a coûté combien secret d'entreprise, mais ça coûtait quand même beaucoup parce que pour être honnête, quand je dis rupture de stock, c'est parce que moi, quand je disais
OK, on démarre avec 1000 produits. Je ne savais pas que les 1000 allaient s'écouler aussi facilement. Bon, pas facilement, mais en si peu de temps. Parce qu'en réalité, je me suis dit, c'est un test. Allons voir, peut-être on va passer un an là à vendre nos 1000 chouquettes. Mais plus les gens découvraient, plus il se passait le mot. Et plus, comme je vous disais, la communication engendrait la curiosité. Donc aujourd'hui, si on a rupture de stock, c'est par rapport à cette réalité-là. Mais maintenant, si on a rupture de stock, ça veut également dire que la demande est présente. Comme je vous expliquais, les camps... Tout le monde ici se parfume, j'espère que je ne me trompe pas. Mais en principe, il n'y a personne qui veut sentir mauvais quand il sort. Donc du coup, si vous imaginez que vous utilisez un parfum, on est combien de Camerounais, on est combien de jeunes, on a combien de jeunes filles. Sincèrement, je me dis que si on réussit à avoir ces subventions qu'on espère de l'État, on pourra faire mieux. Et je continue à dire qu'on a vraiment besoin de ce soutien-là. Alors, c'est quoi réellement le plus dur quand on est à la tête, n'est-ce pas, d'une structure comme celle-là? Vous parlez effectivement du process au niveau de la transformation avant d'aboutir au liquide. Finalement, c'est quoi le plus dur en somme? Le plus dur, déjà, c'est de trouver l'idée. D'avoir l'idée, c'est pour ça qu'on dit que l'idée coûte cher. Parce que quand vous avez l'idée, maintenant, il faut trouver les bonnes personnes. Donc, en réalité, vous allez trouver des difficultés à chaque étape, puisque c'est des étapes. Le plus dur, c'est déjà de trouver l'idée. Une fois que vous avez l'idée, parfois même les financements, vous les trouvez grâce à des personnes qui croient en vous. C'est-à-dire que encore le plus difficile serait de convaincre les gens à ce que votre produit, votre projet est bancable et qu'il est prometteur. Donc pour moi, ça a été d'abord de trouver les personnes capables de me produire cette formule-là. Parce que j'en avais vraiment besoin et je n'ai pas trouvé de sitôt. D'autres m'ont même fait croire que c'était limite impossible, si on n'avait pas de machine. D'autres m'ont fait espérer que ça prendrait du temps. Mais une fois que j'ai vu les bonnes personnes, j'ai trouvé les bonnes personnes qui s'y ont mis, qui ont compris le produit, qui ont compris la formule. Ben voilà, aujourd'hui, on est capable de produire 500 flacons en moins de 5 jours. Donc, c'était ça le plus dur. Et le reste... Vous savez bien, les finances aussi, c'est... Vous n'en voulez pas à l'État camerounais de vous avoir lâché, genre de ne vous avoir pas soutenu? Non, du tout, parce que quand j'ai eu mon idée... Oui. Non, quand j'ai eu mon idée, j'en ai pas parlé à l'État. Ah, ok. C'est une fois que je mets en œuvre le projet que je dis, ok, voici ce que j'ai entre les mains. Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Mais honnêtement, connaissant déjà les réalités, je ne me suis pas encore vraiment ruée vers ces gens-là, parce que je sais également que le processus peut être long. Et puis, vaudrait mieux être réaliste quand on connaît déjà comment est-ce que, où on vit, avec qui on vit. Autant mieux prendre déjà le taureau par ses cornes. Et puis, j'espère, moi, je me dis que ce sont eux qui devraient même venir vers nous, parce qu'ils ont des budgets pour ça, ils ont des orientations pour ça. Et nous, on communique justement pour qu'ils nous dénichent. Donc, si aujourd'hui, l'un d'eux ou, je ne sais pas, quelqu'un d'entre eux voit ça, j'espère qu'il pourra se dire, voilà, un jeune qu'on doit soutenir. On espère que ça commence. C'est vrai que généralement, sur ce plateau, on aime parler de chiffres, Ozira. On a bien envie de savoir, côté... financement, est-ce qu'il y a eu retour d'investissement? Et si oui, est-ce qu'il y a eu de bons bénéfices et des chiffres, pourquoi pas? on espère que la formule va évoluer. ça ne va pas. Si vous voulez vraiment déjà cotiser pour moi, faites-le, parce que je vais être honnête avec vous, quand on se sacrifie, il faut attendre, espérer des années pour récupérer. Parce que une fois que vous avez commencé à investir et que vous avez même retour sur investissement, vous ne devez pas vous arrêter là. Malheureusement, c'est ça le piège, parce qu'aujourd'hui je suis obligée de me priver de pas mal de choses, sachant que le produit est déjà là. Il faut peut-être l'améliorer, parce qu'on a un business plan, on a un projet de vie pour ce produit là donc pour moi aujourd'hui, c'est que si j'ai 100 francs, si j'ai gagné 200, je dois garder ça pour réinvestir au moment opportun. J'ai dit par exemple qu'on prépare la nouvelle campagne publicitaire de la marque, c'est des moyens en jeu. Donc tout ce qu'on a pu récupérer, on est obligé de réinvestir. Donc en termes de chiffres, je vais vous dire que ça va pas. Secret d'entreprise. Ça va pas fort. Alors, c'est vrai que moi j'ai une vraie question avant de vous prendre, Lise. On parlait de rupture de stock, très cher Ozira. Quel parfum utilisez-vous finalement? Chouquette, bien sûr. Mais il y a rupture de stock. Ah,
Non, mais j'ai toujours. Attention. Ah, mais c'est terrible quand même. Je ne peux pas manquer de sugar, c'est impossible. Je ne peux pas fabriquer un produit et en manquer. Mm. Et si vous avez vraiment compris mon histoire, vous allez comprendre qu'en réalité, j'en avais marre de prendre mon argent et le donner à d'autres personnes. Mm. Donc, c'est vrai, j'ai utilisé d'autres parfums, j'en ai utilisé des tas, des tonnes, par curiosité d'abord. Parce que quand moi, j'ai ce talent-là. Justement, vous avez pris des autres parfums. Oui, j'ai essayé parce que moi, je sais détecter la bonne odeur. Donc, moi, je peux être à côté de vous et votre parfum me parle. Mmh. Et directement, je vais vouloir l'acheter. C'est vraiment cette gabegie que j'avais. Mmh. Parce qu'une fois que j'étais à côté d'une personne qui sentait bon, je voulais le même parfum. Du coup, j'en avais plus de 10. Je ne sais pas, moi, je ne me rappelle même plus de tous ces noms-là parce que j'en avais des tonnes. Mais aujourd'hui, la marque que je retiens, c'est Chouquette parce que c'est elle seule que j'utilise maintenant. Et moi, ben, c'est vrai qu'au vu de cette réponse, j'ai envie de savoir comment vous faites quand vous êtes à côté d'une personne qui ne sent pas très bon. Mais ça se... Mais ça se sent très mal à l'aise, vous réagissez comment? Oui, très mal à l'aise, je suis parfois très gênée, parfois obligée de partir. Mm. Oui. Ah, oui, malheureusement, et c'est... Rassurez-vous, oui. Vous sentez bon. Non. Tout va bien. Non, vous sentez tous bon, mais vous ne sentez pas encore Chouquette. Donc, j'espère que prochainement, c'est Chouquette qui va... On s'attend à Chouquette sur le plateau. Oui, en tout cas, à rupture de stock, mais je n'ai qu'un seul échantillon. En tout cas, on pourra peut-être prendre une transition, peut-être pour montrer juste à quoi ça ressemble, pour le plaisir. En attendant, bien sûr, la version masculine. Non, avant la version masculine, on organise d'abord notre 8 mars aussi. Le 8 mars, c'est déjà pris. Il faut qu'on se plaigne aussi. Comment nous, on n'a pas droit aux chouquettes Parce que ça aurait été un homme. Que ce serait un problème national. Je vais vous surprendre, les hommes achètent chouquettes. Bien qu'il soit dédié. Malgré le fait que, parce que vous allez voir le packaging, il est tout rose, les hommes achètent Chouquette. Bien. Donc, j'avais deux senteurs, ouais. Vanille et citronnelle. Bon, il l'achète. Elle l'utilise. Ah, voilà. Voilà. Si tu achètes, je ne sais pas pour un nez, parce qu'après, je peux le donner. Oui, il y en a, mais je vous dis, il y en a qui a acheté pour eux. Voilà. Donc, clairement, Chouquette citronnelle était un peu mixte. Oui. Mais la marque, comme je dis, elle est destinée aux femmes. Mm. Le parfum, c'est comme les couleurs. Aujourd'hui, avant, on disait que le rose, les hommes ne portaient pas. Mais il y a des hommes qui se sentent bien avec du rose en chemise. Donc, en fait, le parfum, moi, je peux le destiner à des jeunes filles, mais vous l'aimez bien. Donc, pour moi, je non, trouve... Non, ne le disais pas, ne le disais pas, non. Donc, voilà. Mais moi, sincèrement, pour être honnête avec vous... C'est plus les hommes que je vise parce que je sais que les hommes adorent les bonnes senteurs par rapport même aux femmes. Mmh. C'est vrai. Voilà. Et donc, du coup, je sais que les hommes, ils dépensent beaucoup plus pour ça. Oui, donc, une fois que j'aurai toutes les conditions, je vous ferai vraiment ça parce que je sais que vous allez m'en acheter. Merci. Absolument. Alors, Lise, vous aviez une question pour Ozira ce soir. Oui, Ozira. À la tête de 3 entreprises, vous avez dit Mima Agency, mannequin. Comment est-ce que ça se passe de ce côté-là? Comment vont vos mannequins? Comment va l'entreprise? J'espère qu'ils vont bien, s'ils nous regardent. Mais en principe, Mima Agency se porte bien. Parce que ça a été mon tout premier projet, je ne peux pas le lâcher. Mmh. Et c'était plutôt une réponse à ces jeunes-là qui voulaient une plateforme pour s'exprimer. Parce que moi, de base, j'avais essayé le mannequinat et j'avais trouvé que c'était trop limité pour moi. Mmh. Du coup, quand j'ai eu la couronne de Miss, j'ai vraiment été acculée par cette demande-là. Parce que le mannequinat était fermé à l'époque. Donc, quand j'ai créé l'agence de mannequins, je me suis entourée des professionnels. On a commencé à former parce qu'on s'est rendu compte que il n'y avait pas vraiment de professionnels. À ce jour, vous avez formé combien? Ah, oulala, chaque année, on a des promotions. D'accord. Donc, depuis 2016, vous pouvez imaginer. Mm. Il y en a qu'on garde, il y en a qui s'en vont parce qu'on ne peut pas garder tout le monde. Mm. Il y en a qui restent en freelance. Mais franchement, je crois qu'on est à plus de 200, 300 jeunes qu'on a déjà accueillis chez nous. Après, il faut aussi comprendre que le métier n'est pas encore vraiment reconnu. Donc, on essaye vraiment à notre niveau de créer des événements, de proposer nos mannequins pour qu'ils puissent vraiment vivre. Donc, Mima se porte bien. On a des entraînements chaque samedi. On organise des événements, des défilés. On participe à d'autres aussi. Et voilà, comme le défilé de David Boumé qui approche, les mannequins seront là. Donc, Mima Agency se porte bien. Et Mima Prod Production. Mima Prod aussi, assez bien, parce qu'on a lancé l'émission Boa Fashion Police qu'on produit et qu'on est en train de relancer avec Tapis Rouge Canal d'Or, sachant que c'est des choses que les gens aiment bien. Ouais. Les critiques, le classement. Donc, on est en train de travailler dessus. Et je vous ai dit, on fait tout ce qui est communication, stratégie, parce que moi, j'étais diplômée en communication à l'ESTIC. Et voilà.
Alors, c'est vrai qu'on a bien envie de savoir, est-ce que vous allez aussi défiler? On dira, vous avez gardé la ligne, c'est quoi le secret? J'ai gardé la ligne, j'ai changé un peu. Un peu. Mais ça ne se fait pas tellement voir. Oui, là, j'ai dû diminuer un peu de beaucoup parce que malheureusement, quand les gens s'habituent à vous avec un certain physique, quand vous changez, ça devient un peu problématique. Mmh. Ce n'est pas que vous n'êtes pas bien comme ça, mais c'est que les gens ont du mal. Ils n'ont pas mal. Donc moi, j'étais toujours svelte, assez mince et là, je pense que j'ai même pris un peu de kilos. Mmh. Et voilà. Ben non, Lise. Oui, un peu de kilos. Vous savez, Lise... Je connais quand même Zira depuis, donc je peux dire qu'elle en a pris quand même. Oui, j'en ai même mais encore vous perdu. Aussi, hein, vous aussi, il ne faudrait pas manquer de le souligner. Alors, Zira, j'aimerais qu'on revienne sur des sujets assez intéressants. Vous êtes également Miss Nations Unies. Est-ce que vous avez suivi également les régionales de Miss Cameroun cette année? Qu'est-ce qui vous a marqué? J'ai du mal parce que moi aujourd'hui ce que je regarde c'est la finale. Sincèrement, parce que c'est ce résultat final qu'on veut. Les régionales, malheureusement, quand j'ai pas une candidate que je suis, j'ai pas le temps pour ça. Je suis obligée de dire la vérité. Et puis quand même je regarde des commentaires sur internet, je crois que ça se passe bien, hein. On attend la finale. On n'est pas suivi. Elle aime la musée de savoir que ça se passe bien. Quelle image quand vous avez de l'élection Miss Cameroun? Miss Cameroun, sincèrement, je ne souhaite pas me prononcer dessus parce que de base, c'est pas ma compétition. Enfin, je ne suis pas originaire de Miss Cameroun, mais ce que je sais, c'est c'est la compétition nationale et qui aujourd'hui a beaucoup à corriger parce qu'on a eu pas mal de problèmes avec cette compétition, au point où les autres concours aussi ont été affectés. C'est vraiment ce que je peux retenir de cette compétition-là. Pourtant, on espérait être tiré de haut grâce à Miss Cameroun, mais aujourd'hui, quand on voit une Miss, on veut directement lui donner ce mauvais côté qu'a le comica. Alors, c'est vrai que vous l'avez souligné, il y a également des Miss qui ont réagi, du moins une qui a eu à réagir là-dessus. Est-ce que vous avez sans doute eu à entendre parler de Marie-Ange Ndiok, cette jeune Miss qui s'est prononcée sur la question finalement concernant son passage à Miss Cameroun. Qu'est-ce que vous avez retenu finalement de son passage? Est-ce que c'était justifié? Peut-être elle avait des propos assez durs, mais finalement, qu'est-ce que vous pensez de cette jeune Miss? Comme je vous ai dit, honnêtement, je n'ai pas suivi de bout en bout ces régionales. J'ai vu des bribes de ces interventions et des railleries dessus, comme quoi il y a une Miss qui a dit qu'elle va construire des routes. Je crois que j'ai vu un extrait sur elle TikTok. Elle était sur ce plateau c'est TikTok où elle a dit... Enfin, je ne sais plus trop, moi, franchement. Je vous dis honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui me... Je préfère focaliser sur mon entreprise. Mais ce que j'ai pu entendre de cette jeune fille, c'est qu'elle a l'air d'être prétentieuse. Et moi, l'extrait que j'ai vu d'elle, je crois que... Soit c'est l'ignorance, soit c'est... La jeunesse. C'est pas la maladresse. La jeunesse. Toi, c'est un manque de tact. Non, c'est même pas la jeunesse parce que toi et moi, nous sommes jeunes, mais on sait ce qu'on dit, on pèse les mots. Après, je sais pas si c'était une tentative aussi d'attirer l'attention. Honnêtement, je peux pas expliquer ça parce que je n'ai même pas vu son extrait de bout en bout. J'ai juste vu un petit bout. Et ce que j'ai vu, moi, ça m'a juste fait next en fait. J'étais un peu dérangée. En fait, moi, j'ai fait next parce que vous en parlez maintenant, n'est-ce pas? Ouais, absolument. Je vous donne un mois, vous n'allez plus en parler parce que c'est pas important. Oui, mais quand on vous écoute quand même, on se rend compte et de plusieurs Miss et anciennes personnes qui travaillaient au Comic-Con, on se rend quand même compte que c'est comme s'il y a un malaise dans l'environnement global du mannequinat, des Miss, de l'organisation des Miss. Sauf qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de loi d'omerta. Même vous qui n'étiez pas finaliste du concours Miss Cameroun, on a l'impression que tout le monde craint de parler soit de l'élection Miss Cameroun, soit du comica. Non, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe de vous qui êtes à l'intérieur? Parce que si on parle quand même de communication, on sait entre nous ce qui se passe dedans. Mais vous, tout le monde a presque votre posture. Je ne voudrais pas trop entrer, m'aventurer dans les histoires du comica. Donc, on sent en filigrane qu'il y a un malaise là-dedans et qu'il y a des trucs qui doivent être dites sur le comico ou sur l'élection Miss Cameroun, mais non. Tout le monde préfère rester... En ce qui me concerne... Parce qu'après quand même, excusez-moi, mais après, vous avez des mannequins, vous avez des petites sœurs qui veulent aller là-bas.
Donc, s'il y a quelque chose, s'il y a autant mieux les prévenir. En fait, c'est comme si vous êtes en train de me dire que je sais quelque chose et je ne veux pas dire. Mais en ce qui me concerne, personnellement, si vous me parlez de la compétition pour laquelle, ou le concours pour lequel j'ai porté la couronne, mais je vous parlerai aisément de Miss Nations Unies Cameroun. En fait, c'est ça, c'est la nuance qu'il faut faire. Moi, je ne m'intéresse pas aux choses qui ne me concernent pas de fond en comble. Parce qu'en réalité, Miss Cameroun, c'est tout un autre comité d'organisation. C'est vrai. Je ne vais pas me prendre la prétention de vous parler de « Ah oui, les Miss sont comme si... » Même si ce sont mes amis, je ne vais pas m'imposer dans cette histoire-là parce que, honnêtement, j'en ai rien à cirer. Okay. Je me mêle de ce qui me concerne. Après, si moi j'ai des petites soeurs qui veulent tenter leur expérience, il faut aller, mais je vais vous accompagner, je vais t'accompagner en étant très proche de toi. Et peut-être à ce moment-là, je vous en parlerai un peu plus. Parce que là, maintenant, je ne peux pas parler sous couvert des gens qui m'ont dit Miss Cameroun est comme c'est comme ça, j'ai pas compétit à Miss Cameroun. Mmh. Je vois Miss Cameroun à distance. Et comme je vous ai dit, ce que je retiens de cette compétition, c'est qu'aujourd'hui, quand vous présentez en tant que Miss, malheureusement, on a déjà cette mauvaise connotation qu'a Miss Cameroun. Mmh. On va vous dire, c'est tout ce que je peux vous dire, mais je ne peux pas commencer à expliquer à tout le monde que je suis différente. Je vous laisse le choix de découvrir quel type de Miss je suis à travers mes activités et mon comportement. Mmh. Donc, ce n'est pas qu'on ne veut pas dire ce qui se passe. Inviter Miss Cameroun 2015, je passerai son numéro, elle vous en parlera peut-être parce qu'elle était là. Moi, en ce qui me concerne, je vous parlerai des Miss Nations Unies, je vous dirai, il y a eu une dernière élection, la nouvelle Miss, elle s'appelle Wendy, elle a été élue le 24 octobre, la journée mondiale des Nations Unies, tout se passe bien, je vais vous parler de toutes les Miss parce que c'est mon univers. Alors, le reste ne me concerne pas. Miss Nations Unies, parlons-en, finalement, vous y étiez. Merci. Enfin, parlons de quelque chose qui... On va quand même s'occuper de ses oignons. On aurait dit qu'elle était en enfer, quoi. En quelque sorte, j'étais dans une boîte où je ne comprenais pas où vous voulez m'emmener, mais là, clairement, je revois la lumière. On a pu voir le sourire de notre invité revenir. Et c'est important, cela fait... Vous avez dit que vous vous intéressez principalement à vos oignons. Ça fait partie des résolutions de pas mal de personnes pour les nouvelles années. Alors, Miss Osira, on a envie de savoir comment ça s'est passé donc pour Miss Nations Unies. Ce concours vous a apporté en plus et quelles étaient les difficultés parce qu'il se pourrait, selon des informations très sûres, qu'une Miss se fait à beaucoup de soupirants. Comment vous gérez cela, Miss Osira? Il se pourrait, mais ce n'est pas toujours confirmé. Moi, pour être honnête, je crois que c'est le début de tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Parce que moi, à l'époque, je crois que je sortais tout fraîchement du collège et j'entrais à l'ESTIC. Je cherchais mes repères. Et pour moi, si j'avais mis une croix sur Miss Cameroun, parce que je ne trouvais pas... j'avais pas l'impression qu'il y avait un plus. Et à Miss Nations Unies Cameroun, une fois que j'ai suivi le titre, ça m'a intéressée. Parce qu'en faisant communication à l'ESTIC, je voulais travailler pour les organisations internationales. Donc, le concours s'est présenté comme une porte. Effectivement, aujourd'hui, je peux dire que grâce à Miss Nations Unies, tout ce que je fais aujourd'hui émane de cette formation que j'ai eue avec ce concours-là. Parce que je suis quittée de la simple Osira que j'étais à Miss Osira, c'est-à-dire le comportement allait déjà avec, la manière de penser, la manière de faire. Mon environnement, les gens que je côtoyais, la façon dont je parlais aux gens, toute cette manière d'être et de faire, je crois que j'ai gagné tout ça à travers Miss Nations Unies Cameroun. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, je peux vraiment parler de cette compétition. Et je peux même la recommander aux jeunes, parce qu'en fait, ce que les jeunes femmes oublient, c'est qu'une Miss, ce n'est pas que la couronne. Mmh. En fait, la couronne, c'est juste un moyen d'attirer l'attention. Mais une Miss, c'est celle-là qui peut porter des messages, défendre des projets. Ouais. Si vous lisez même l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'on se servait des femmes belles, parce qu'elles étaient intelligentes, pour parler en faveur des peuples ou pour défendre des causes. Donc pour moi, ça a été un peu ça et ça a été une très très belle aventure. Je ne sais pas par où commencer. Là, on va parler de votre couronne. Et de, c'était quoi votre projet? À ce jour, est-ce que vous l'avez déjà mis sur pied? Jusqu'où vous en êtes? Honnêtement, quand j'avais déjà, nous on débattait sur des thèmes. Moi, mon thème c'était sur les violences faites aux femmes, et c'était un thème tiré au sort parce que on débat sur les objectifs du développement durable, c'est l'ONU, c'est les Nations Unies. Et du coup, pour moi, en fait, pour mettre fin à ces violences là, ma solution était non seulement de sensibiliser, mais surtout de susciter l'éveil en la femme, de montrer à la femme qu'elle est capable de s'imposer d'une manière ou d'une autre et de savoir dire non. Et du coup, ça s'est matérialisé par l'entrepreneuriat.
Parce qu'aujourd'hui, si moi je peux, on peut avoir des femmes plus entreprenantes, je pense qu'elles seraient un peu plus capables de s'imposer, de dire stop à ces violences-là. Parce que les histoires des femmes victimes de violences que j'écoutais, c'était des femmes qui avaient l'impression qu'elles n'avaient pas le choix, qu'elles étaient enfermées, qu'elles n'avaient pas le moyen de se défendre. Mais une femme qui a fréquenté, par exemple, une femme qui travaille, saurait vous dire stop à un moment donné. Et au-delà de ça aussi, j'avais un projet avec les orphelins que je poursuis jusqu'aujourd'hui, qui était de participer à leur épanouissement et à leur éducation. Et chaque décembre, on organise un arbre de Noël. Ah, c'est très intéressant. Alors, vous m'excuserez de parler toujours de chiffres, mais on peut revenir tout de même savoir que gagne une Miss Nations Unies. C'était quoi finalement la cagnotte arrivée à la fin de l'aventure? Bon, je pense que s'il faut parler de cagnotte aujourd'hui, on parlerait de millions. Parce que seulement ce qu'on vous donne en termes de formation, ça vaut de l'or. Et c'est ça que vous transformez en argent. Parce que tout ce qu'on vous aurait donné en termes de chiffres, même pas de chiffres, en termes de billets, ça nous a servi qu'à vous faire un joli, à vous faire des ongles, machin, nanana. Mais comme je vous dis, ce qui transforme le million, c'est de l'idée. C'est la plateforme qu'on m'a donnée. C'est ça aujourd'hui qui me permet de me positionner comme entrepreneur et de dire que je peux créer une marque de parfum. Voilà. C'est à partir de tout ça que, par exemple, je suis repérée pour faire de la télé, toutes ces petites choses-là. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que si au départ, on m'avait dit que Ozira, tu vas gagner 1 million, aujourd'hui, je pense que grâce à ça, j'ai gagné des millions. Des millions. Donc, Ozira peut être millionnaire, peut-être. Oui, en idée. Peut-être. Alors, il nous reste quelques minutes, on va prendre Marina. Marina du sport, n'est-ce pas? J'imagine que vous aimez bien la compagnie de Ozira. Marina, on va passer. Ah non, par contre, elle a été très timide, hein, elle n'a même pas dit un mot. Bon. Parce que je te suis sur les réseaux sociaux. Ah oui. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle mes confrères ont eu à poser toutes les questions que j'avais envie de te poser. Donc, sérieux. Pour de vrai. Pour de vrai. En fait, je m'attendais à voir le fameux parfum Chouquette. La Chouquette est là. Hein. Voilà. Elle est très. Elle attend le parfum. Elle tient à cette Chouquette là. Elle attend le parfum. Elle tient à cette Chouquette. Peut-être en parlant un peu, juste en parlant un peu de cela, Marina, on pourrait. Ozira pourrait nous ramener le parfum juste pour qu'on le présente à notre spectateur. Allons-y, parlons de sport ce soir, Marina. Comme d'habitude, hein, en évoquant cette grande question que vous avez soulevée, donc, qui nous permet donc aujourd'hui de parler, Marina, bien évidemment, du désavouement du sénateur. Désavouement ? Oui. Et on peut y arriver. Allez-y, Marina. Alors, le ministre de l'administration territoriale, Atangandji, donne un avertissement de plus au comité exécutif de 2009, dirigé par le sénateur Albert Mbinda, par rapport aux multiples communiqués et prises de décision envers l'équipe de Seydou Mboumboujoua, assurant l'intérim à la tête de la Fédération camerounaise de football. Le MINAT vient de signer un communiqué mettant en garde Sieur Mbinda et compagnie qui tiennent des réunions au nom de l'instance fêtière du football camerounais, les traitant, je cite, d'usurpateurs, imposteurs qui, pour des raisons purement égoïstes, continuent de poser des actes et tiennent des réunions alors qu'ils n'ont aucun droit. Une annonce qui entre en droite ligne avec la circulaire de la FIFA désavouant le comité exécutif de 2009 et légitimant celui du prince Bamoun. Pour rappel, après l'annulation des élections de 2018 élisant Seydou Mboumboujoua comme président de la FECAFOOT, la FIFA avait choisi de laisser les rênes de la tour de Tchinga aux mains du président déchu afin d'assurer l'intérim jusqu'au 11 décembre, date des prochaines élections à la FECAFOOT. Et c'était donc important de le souligner ce soir. Effectivement, David Kevin, on espère qu'avec cette lettre, ce communiqué du MINAT, M. Albert Mbinda, le sénateur, va arrêter ces réunions, ces multiples réunions et utiliser la FECAFOOT. La FIFA l'avait déjà dit, avait nommé Seydou Mboumboujoua comme président par intérim pour assurer l'intérim pendant que les élections vont se dérouler, pendant que les campagnes électorales même vont se dérouler, afin que celui-ci puisse régler tous les petits problèmes. Voilà donc ce qu'il fallait retenir. On espère qu'avec ceci, les élections se feront dans la sérénité totale. Ozira, mais vous nous suivez un peu le sport. Est-ce que ça vous intéresse un peu l'actualité sportive? Ah non. Un peu, oui.
Juste un peu. Alors je ne vais pas trop vous enquiquiner là-dessus. On pourrait quand même voir Chouquette pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Gros plan sur Chouquette pour montrer donc les œuvres. Un peu plus haut. Voilà, c'est parfait. Comme elle avait bien évidemment annoncé, c'est dans du tissu. Il y a du rose. C'est du rose. Voilà. Comment t'as craqué ? C'est ça, c'est quelle senteur, c'est quel vanille. Parfum ? C'est vanille. Ah, d'accord. Ouais, citronnelle, c'est citronnelle qui est finie ? Oui, en fait, moi, c'est vanille que j'utilisais. Donc, citronnelle est restée à la maison, naturellement, mais c'est vanille que j'utilise le plus. Voilà, donc il est bien dit. La vanille. Ça met tout le monde d'accord. Ça met tout le monde d'accord. Alors, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci Steve pour vos questions. Sans doute un léger commentaire très rapide concernant Chouquette. Vous êtes satisfait finalement ? Heureux qu'une entreprise. Mais il faut toujours encourager les entreprises. Comment vous voulez me faire passer pour. Encourage. Merci beaucoup. Merci à vous également, Marina. On vous retrouve demain pour le même exercice. Sans faute, David Kevin. Voilà. Merci. Avec le même plaisir. Et merci énormément à notre invité, Osira, d'être venu ce soir. On sait également qu'il devait y avoir une très belle personne également qui devait vous seconder. Mais il faut dire que les voyage lapins. N'a pas été, n'a voilà. pas abouti. Et les lapins, on les consomme un peu. Merci beaucoup d'être passé. On espère que vous reviendrez nous présenter la prochaine formule de Chouquette, très rapidement. Oui, je reviendrai à vous présenter d'autres projets, ouais. Toujours relativement à mon entreprise, à tout ce que j'ai déjà mis en place, parce qu'il faut continuer de fructifier. Absolument. Merci à vous, en tout cas, j'ai passé un bon moment, Chouquette aussi, je pense. Et... Merci à vous également de nous avoir regardé, nous faites grand signe, rendez-vous demain à 17h pour le même exercice. À demain, salut.